Bonjour, bonjour. Moi, je sais pas ce que vous. Moi, je vois qu'un tout petit bout de l'image là. Je ne comprends pas bien ce qui se passe. Il faudrait que je fasse ça là. Non. Très bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce souk? Ça. Vous me voyez correctement, vous ou pas? Je vois ce qui se passe. Et vous, tout est normal. Parce que moi, je ne vois qu'un quart de mon écran sur le replay. Là. Je ne sais pas pourquoi. Mystérieux. Oh, gros bug. Attends. Alors, pas du tout. Vous me voyez bien. Bon, écoutez, après tout, c'est ce qui compte, hein. C'est pas tellement un problème. Passe, mais. Ok. Bon, bah, l'important c'est que vous me voyez. Donc très bien. Bon, bah écoutez les copains, je suis content de vous revoir. J'espère que ça s'est bien passé, que les écrits sont bien passés. On va discuter donc des sujets aujourd'hui. Hein. Salut Mehdi. Donc alors bonjour tous les copains, Muriel, Tobias, Sébastien, tous ceux que je connais et les nouveaux que je ne connais pas forcément, hein, comme Thor Legrain. Bonjour, bonjour. Hop, voilà, j'ai raté. Bon, toi Agnès, ok. Tu veux pas regarder un petit coup les sujets pour ce que tu as raté, non? Bon. Ce que je me proposais de faire, enfin, je pense qu'on va corriger ces sujets quand même. Là, on va les regarder un petit peu, voir les questions qu'il fallait faire, discuter un peu autour, faire des petites révisions. Puis après, je pense, dans les semaines d'après, on les corrige. D'ici, je sais pas, 4-6 semaines, j'espère qu'on les aura finis. Et ce que je propose après, c'est de faire des leçons d'oral, en fait, si ça vous va bien. Voilà, pour ceux qui pensent avoir réussi, qu'on se fasse un petit catalogue de leçons. Donc là, on en fait par exemple, je sais pas, deux par. On est optimiste, on peut dire deux dans la soirée. Une avant la bière et une après la bière. 1 heure et demie la leçon, c'est peut-être un peu optimiste. Sinon, on fait une leçon le soir, on la fouille, on la fait bien nickel, on trouve toutes les idées. Chacun amène sa brique et on rédige un truc, on se met ensemble et on se fait une super leçon nickel par soir. Et puis voilà. Et puis, alors ok, la première année, ben, on en fera peut-être une dizaine. Et puis je me dis, ben, l'année d'après, plus, et ainsi de suite. Donc. Donc voilà. Est-ce que vous prenez les premières années en licence de maths à La Rochelle l'année prochaine? Bah évidemment. On va voir la question. Parcoursup, on va regarder, ouais, comme d'habitude. Enfin. Très bien. Donc voilà. Et l'idée, c'est que donc en septembre, on reprend les écrits, et puis on voilà, et puis. De toute façon, ça apprend des trucs de préparer des leçons, de toute façon, hein, ça fait faire des maths sympathiques. Bah écoute, Séraphin, je pensais que ça allait pas se voir. Bon, si vous voulez vraiment qu'on finisse analyse 2019, bon, bah écoutez, on le fera dès qu'on reprend les écrits. Ouais, je repousse ça à septembre, quoi, bon. Comme ça, d'ici là, mais ouais. On va dire que quand on fait les sujets de là maintenant, de 2021, et puis on reprend analyse 2019 après quand même, parce que. Voilà, à peu près dans 6 mois. Est-ce que ça vous va? Le problème avec l'analyse 2019, bon, moi ça me passionnait modérément, mais ça c'est pas un problème. On va débattre, donc c'est quand même marrant. Mais j'étais en train de sécher sur une crypto avec Fubini et des trucs là que j'aurais pas dû. Et est-ce que je vais faire un cours sur la cryptographie? Bah, il faudrait, oui. En plus, alors pour le coup, j'en ai fait un pendant des années et des années. J'ai créé un bouquin, comme vous le savez, hein, de crypto suite au cours que j'ai fait. Donc, dont la deuxième édition vient de partir, de sortir, hein, si vous voulez. Bref, et. Donc j'ai toutes les diapos qui sont à peu près faites, il faudrait que je les remette en forme, que je reprépare le truc. Donc ça ne demanderait pas un boulot de malade de refaire des cours de crypto, mais juste voilà. Bah, juste voilà, là je suis pas dedans, là je suis dans la jordanisation. Hein. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur la jordanisation, puis là, vous m'en direz des nouvelles. Parce que j'ai déjà dû passer au moins 30 heures à préparer les diapos. Sans exagérer. Hein. Je passe au moins 2-3 heures tous les soirs là, par jour, depuis 3 semaines, enfin bref. Mais voilà, alors, non, alors, Émilie, l'idée, là, quand même, ce serait de toi, une fois, parce qu'il y en a plein qui ont cherché les écrits. Alors,
Au moins ce soir, au moins on en discute, on garde les questions qui étaient bien pour revoir des trucs qui étaient dedans, parce que je sais que les gens ont cherché, les gens qui ont fait les écrits là, du coup, toi, c'est les questions qui sont en tête, qui sont posées, etc. Donc j'espère qu'on va peut-être avoir un peu d'interaction pour qu'on puisse tirer profit de ce sujet, de la réflexion, les 6 heures que vous avez bossé, donc 12 heures que vous avez bossé sur ce sujet, essayer d'en tirer quelque chose, parce que c'est vachement important de comprendre les exos sur lesquels on a cherché. Parce que c'est comme ça que ça s'ancre. Je veux dire, quand on a cherché vachement longtemps un exo qu'on n'a pas trouvé, et qu'on voit la correction, qu'on nous répond à la question, qu'on comprend ce qui nous a bloqué, c'est vachement utile, ça reste en fait. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est utile là de revenir sur les sujets maintenant. Je pense que c'est vraiment utile. Pour moi, ils sont pas frais, je les ai pas plus. Voilà, je les ai pas vus, mais enfin, je les ai regardés vite fait, mais je pense que c'est important de. C'est pour vous, en fait, je pense que ça peut vraiment vous apporter des choses pour ceux. Enfin, là, je parle à ceux qui les ont passés, évidemment. De le voir quand vous en rappelez encore un petit peu, quoi, tu vois. Et après, on commencera, et après, je proposerai, par exemple, qu'on choisisse à la fin de la séance les sujets des oraux de la prochaine fois, etc., etc. Mais alors, regardons donc un petit peu, si vous êtes d'accord, ces sujets. Ok. Donc. Alors. Donc voilà. L'objectif du problème est d'étudier quelques propriétés d'une classe de fonctions et d'une fonction polaire. Non, là, je suis sur l'analyse. Hop, on va se calmer. On va rester sur le. C'est pas rester un peu sur le. L'algèbre. Alors, le sujet que j'ai, il est un petit peu annoté, mais c'est pas bête. Donc c'est le sujet de Blanche, hein, donc copyright, vous voyez, parce que du coup, elle a marqué les trucs qui lui semblaient importants, et ça, je pense qu'il faut le faire quand on lit le sujet. Donc ça vous montre un exemple de ce que je pense qui est utile. Okay. Donc, comment travailler la rédaction? Ben, Victor, je ne sais pas trop, mais en faisant quoi. L'idée, c'est quand je fais les corrigés, c'est d'essayer de les faire d'abord, quoi. Alors, je sais pas de quoi tu parles là. Bon alors, allons-y. Donc, essayons de voir qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans, qu'est-ce qu'il faut travailler, etc. Donc, les notations du début sont assez standards. Matrice scalaire, ok, transposée d'une matrice, ok, A étoile la matrice adjointe, A étoile est transposée de A bar. Donc là, j'imagine que déjà, il y en a un paquet qui ont fait la grimace quand ils ont vu ça, parce que généralement, les matrices orthogonales, bon, super sympa, mais on n'aime pas forcément à mort. Donc le groupe unitaire, les matrices unitaires, donc là, généralement, oh là, oh là 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 là, on se dit oui, 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 hein. Et, mais bon, allons-y. Donc, voilà, L2E, MN2K, tout ça, hein, tout ça. Et tout le monde connaît ces notations, elles sont complètement standard. Partie non vide. Ah non, alors ça c'est une remarque, je dis des bêtises, parce que ça, une partie non vide de ça, elle est commutative si de quelconque de ces deux éléments commute. Ça, c'est pas complètement standard comme notation. Partie commutative d'une algèbre ou d'un anneau, qui de quelconque de ces éléments commute. Alors, ensuite, deux éléments d'une partie non vide de MN2K sont dit co-trigonalisables s'il existe une matrice inversible P. Telle que pour toute matrice A dans la partie, P-1AP soit triangulaire supérieur. Et donc vous devez savoir que deux matrices qui commutent sont co-trigonalisables, par exemple. C'est un théorème relativement connu. Par contre, tiens, un petit piège que je viens de voir là, parce que moi je suis à fond dans la jordanisation. Deux matrices qui commutent ne sont pas co-jordanisables. Ouais, moi j'aurais cru que si, en fait non. Deux quelconques de ces deux éléments? C'est moi qui dis ça, hein. C'est marqué si deux quelconques de ces éléments. Il n'y a pas deux fois deux, Tom. Non, regarde, c'est dit correctement, hein. Si deux quelconques de ces éléments commutent. On en prend deux au hasard, ça commute. Ok. Donc, cotrigonalisable, ok. Les éléments d'une partie non vide sont dits cotrigonalisables sur une base de dans laquelle tous les éléments ont une matrice triangulaire supérieure. Bah, quelle différence avec ça? Même pas la définition entre les deux là.
Ouais, ok, je vois pas la différence, mais ok. Ça, c'était pour les endomorphies, ça, c'est pour les matrices, ok. Une partie de L2 est dite irréductible si les deux, si sous le sous-espace de E se font les éléments 0 et E. Alors, ça, c'est une définition d'algèbre qu'on voit, qui est standard, hein, qu'on voit pas forcément beaucoup au niveau licence. Nous, moi, j'en parle pas dans mes cours d'algèbre linéaire en licence, mais c'est vraiment utile, par exemple, pour les. Combinaison linéaire, représentation linéaire des groupes finis, je sais pas si vous avez déjà vu ça, alors les représentations irréductibles, c'est très important. D'accord. Une partie domaine de K est dite irréductible, c'est la partie formée des endomorphes finis, c'est irréductible, ok, bon, ça c'est la même définition, on parle aux matrices, à chaque fois on parle de, hein, évidemment, dès qu'on a une matrice, on prend l'application linéaire qui est associée par la base canonique, etc., donc bon, ok. Alors, donc, une sous-algèbre de E est un espace vectoriel stable par composition contenant l'application identité, la sous-algèbre est la plus petite. Okay. La sous-algèbre engendrée, bon, d'accord. C'est des trucs, hein, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, mais enfin, ça perd ça. Une sous-algèbre de l'Hajmel de K est un sous-espace vectoriel stable par produit contenant la matrice identité. La sous-algèbre est une partie engendrée, la plus petite partie. Bon, c'est la même chose. Il répète à chaque fois la même chose pour L2 et pour Hajmel de K. Donc, bon, jusque-là, tout va bien. Alors, on appelle polynôme complexe en deux variables non commutatives XY. Alors, ça, c'est un truc compliqué. Toute combinaison linéaire à coefficient complexe de mots formés à partir de lettres XY. Et en fait, c'est des polynômes de deux variables, sauf que ça commute pas. Donc, c'est-à-dire que ça peut être XY, 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 XY. Ça fait pas X3, Y3. Hein. D'accord? Donc, ça, c'est un truc très bizarre. Et on se dit qu'on va en chier. Il y a des noms complexes et de l'algèbre non commutative. On se dit qu'on va, on va pas rigoler pendant tout le sujet. Hein. Rien que de voir ça, on se dit qu'il y a des questions, ça va être chaud bouillant. Et donc évidemment, si A et B sont deux éléments de MN de C, on peut définir P de AB. Or qui n'a aucune raison d'être égal à P de BA, hein, pour le coup. Ok. Et donc l'ensemble des P AB, lorsque P de XY dans l'ensemble des polynômes est exactement la sous-algèbre de N de C engendrée par A et B, bah oui, alors ça évite effectivement, si une sous-algèbre contient A et B, elle contient tous les produits de AB dans tous les sens. Multiplié par n'importe quelle combinaison linéaire de ces trucs-là. Donc effectivement, tous les éléments de PAB sont dans la sous-algèbre engendrée par A et B. L'ensemble de ces trucs-là forme une sous-algèbre, hein, c'est stable par addition, par multiplication, par tout ça, et elle contient A et B, donc c'est la plus petite sous-algèbre qui contient A et B. Ok. Alors, la partie 1 est composée de 5 questions indépendantes, donc ça c'est bien de le noter, comme ça c'est pas la peine de regarder les unes les autres, qui pourront être utiles par la suite. La partie 2 propose une démonstration du théorème de Burnside, théorème que je connaissais pas, je veux dire, je vais pas vous mentir, il paraît que c'est un grand classique, moi je le savais pas. J'ai peut-être vu passer un truc, mais là comme ça, je me dis, c'est quoi le théorème de Burnside? Moi je serais resté dans mes actions de groupe, vous savez. J'ai une vidéo sur le. Ah oui, non, je ne l'ai pas encore mis en ligne, je la mettrai en ligne demain ou après-demain, fin de semaine, là, sur la formule de Burnside. Donc pour moi, c'était ça. Donc voilà. Ok. La partie 3 étudie l'importance d'hypothèses dans le théorème. La partie 4 donne trois applications à des sous-groupes. La partie 5 étudie les matrices magiques. Quand je pense que quelqu'un a dit qu'il avait une question sur les matrices magiques la veille de l'examen et que j'ai dit que j'étais pas là pour résoudre des problèmes de maths, mais donner des conseils généraux, je m'en suis bouffé les doigts le lendemain. Sérieusement. Bon, et leur lien avec les matrices de permutation. Donc ça, vous voyez, c'est-à-dire, je lis ça, je me dis la partie 5, il y a des trucs qui vont être faisables. Et quand il faut que je regarde la partie 5. C'est pas clair que les parties 3 et 4 soient faciles, mais la partie 5, il y aura sûrement du truc à faire. Ok? La partie 6, c'est établir un résultat de cotrigonalisation par passage au quotient et propose quelques applications. On se dit que ça va être plus velu déjà. Les parties 3, 4, 5 et 6 sont indépendantes, donc il faut juste faire repenser et utiliser les questions de 1 et 2 pour les parties 3, 4, 5, 6. Et donc, il y aura sans doute des points à gratter dans chaque partie, et notamment la partie 5, rien que comme ça, elle a l'air plus simple. Après, je peux me gourer. Hein. Ok, donc ensuite, la base canonique EJ, donc tout va bien. Et donc, le symbole de Kronecker hein, pour delta IJ, c'est les coefficients de la matrice identité. Vous savez, ça vaut 1 si égal J, 0 sinon. Ok, alors allons-y. Donc, les préliminaires, ça, c'est des questions qui n'ont pas l'air. Voilà. C'est un nilpotent, c'est-à-dire pour lequel l'existence entière naturelle P telle que puissance P égale 0, quelle est sa trace? Bon, alors là, réponse trace égale 0, c'est limite du cours. Je pense que tout le monde sait pourquoi. Quelqu'un, allez, quelqu'un dans le chat qui est le premier va dire pour quelle raison est-ce que la trace d'une matrice nilpotente c'est 0?
Voilà, les valeurs propres sont nulles puisque le polynôme minimal, c'est la forme x puissance p. Alors, ce n'est pas forcément l'indice de nulle-potence p. Donc, si l'indice de nulle-potence c'est d, bah, le polynôme minimal, c'est x puissance d, polynôme minimal, et les valeurs propres sont les racines du polynôme minimal. Donc, le polynôme caractéristique, c'est la forme x puissance n, hein. C'est exactement x puissance n. Donc, il y a que 0 comme valeur propre, et la somme des valeurs propres, c'est la trace. Donc, la trace vaut 0. C'est pas ça, c'est pour se chauffer. Démontrer que trace de AB égale trace de BA, ça, c'est un exercice ultra classique. Et donc j'applique deux fois AC, trace de ACB égale trace de CB. CAB, je veux dire, ok. Donc ça, voilà, si vous voulez pas de truc, c'est une petite manipulation d'indice, c'est pas un truc bien bien compliqué. Normalement, vous devez même savoir que trace de transposé de A fois B fois A, il y a une forme quadratique, ou trace de transposé de A fois B, c'est une forme bilinéaire, symétrique, machin, hein. Il me semble que c'est ça. De la transposer pour que trace de transposé de a fois a, ça fait la somme des ai carrés, ça fasse bien une norme. Ça. Alors pour que ça fasse la norme égale 0 si la matrice est nulle. Ça, normalement, ça fait partie de la culture. Hein. Vous devez savoir que trace de transposé de ab, c'est un produit scalaire. Enfin, si vous le savez pas, c'est pas très grave, mais bon. Bref. Alors, soit ij. KL, quatre entiers d'une seule triangle que le produit EIJ, EKL. Et bon, bah ça, voilà, c'est pas perdu. L'histoire, c'est pas essayer de se perdre dans les produits de matrice, à mon avis. C'est de dire quelle est l'application linéaire associée. Vous voyez, parce qu'en fait, EIJ, c'est l'application qui a EI associée, enfin, qui, telle que F de EI égale EJ. Telle que F de EJ égale EI. Faut pas que je me gourre. Ça, c'est bien que vous compreniez bien ça. J'ai là-dessus. On va peut-être l'écrire. C'est important, vous savez ce que c'est. C'est toujours mon histoire. Hein, qu'est-ce que ça veut dire la matrice associée à une application linéaire? Vous savez, tiens, je remarque. Donc, je vous rappelle, c'est super important toujours de se rappeler que une matrice d'une application linéaire, donc je vais mettre une matrice dedans. Alors, hop, remettre un petit tableau. Hop. Le truc super important, si vraiment vous devez retenir un truc, c'est que là, si la colonne qui est là, ça représente F de E1. D'accord? Si E1, E2, E2, c'est la base par rapport à laquelle vous calculez votre matrice. Hein. Ici, c'est F de E1. Et ici, je vais mettre le tableau vertical. Hop. Et ici c'est E1. Hop. Là, ici c'est E2. Ouais, je vais mettre trois petits points parce que j'ai mis une matrice 4-4, mais ouais, c'est quelle que soit la taille. Je vais mettre EI ici. Hop. F de EJ ici. Et donc, ça c'est la jm colonne et la im ligne. Donc ici, si je mets un 1 et des 0 partout ailleurs, et j'obtiens bien la matrice qu'on appelle EIJ. Hein. Okay. EIJ. Et bien f de EJ égale à EI. Ok? Et tous les autres valent 0. Les autres trucs. D'accord? Donc, comme le produit s'égale à la composée, hein, donc c'est bien, on a donc un E. Alors attends, c'est E indice I virgule J fois rond E indice KL. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Donc lui, ce que je viens de vous expliquer, c'est ce que j'ai mis là, il envoie
EJ sur EI. Lui, il envoie EL sur EK. Okay. Et tous les autres sur 0. Donc, pour que ça puisse pas faire 0 à la fin, bah déjà, l'image de lui, donc faut que ce soit, faut pas que ce soit inclus dans le quart de lui. Donc l'image de lui, ça doit être EJ. D'accord? Donc faut ici que ce soit J. Égal 0, 6K différent de J. Parce que sinon, c'est pas la peine, sinon l'image de lui, c'est EK, et lui, lui de EK, ça fait 0. Okay. Et puis, donc, si je mets K égale ça, hop, et donc là, si je mets J ici, donc lui, ça envoie EL sur EJ, hop, et lui, du coup, il prend EJ, il l'envoie sur EI, ça envoie EL sur EI. Donc, ça simplifie, ça fait EIL. Et donc, au final, on obtient que finalement, ça fois ça, c'est égal à delta KJ EIL. Vous voyez? Sinon, on va se galérer avec des produits de matrice, alors que si on voit ça, c'est quand même complètement évident, quoi. Ok? Perdu le chat, mais voilà, ça me fait partie des trucs. Je pense que vraiment, j'insiste tout le temps sur le fait qu'il faut bien comprendre le rapport entre matrice et par rapport à une base et endomorphisme. Hop. Alors, Samy, de mémoire, le fait que la trace soit la somme des valeurs propres, c'est que quand on est dans R ou C. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Je vois pas pourquoi en fait. Non, je vois pas du tout pourquoi. Ce serait pas vrai tout le temps en fait. Donc je réponds pas aux questions qui n'ont rien à voir avec le sujet parce que voilà, j'essaie de pas me disperser hein. Les histoires hein, Oscar et Nicolas, tout ça je vous répondrai à la pause ou après, mais là je me concentre sur le sujet. Non je pense que il n'y a pas de raison par contre pour le coup hein. Je vois pas pourquoi ce serait pas sur un corps commutatif quelconque. Alors j'explique pourquoi hein, parce que sur un corps commutatif quelconque, les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. D'accord, c'est la définition. Je veux dire, je vois pas ce qui change. C'est un corps quelconque, tel coefficient. Tu peux faire ton déterminant, tu peux faire ton polynôme caractéristique et les zéros du polynôme caractéristique, c'est là où le déterminant s'annule. C'est bien là où la matrice n'est pas inversible. Donc les racines du polynôme caractéristique sont bien des valeurs propres. Alors tu vas me dire, il n'a peut-être pas forcément de racines. Donc quand je dis les racines, effectivement, ça n'existe pas forcément. Je suis d'accord. Mais par contre, la somme de ces racines qui n'existent toujours pas forcément, c'est bien toujours le coefficient en x puissance n moins 1 du polynôme. Vous savez, c'est cette fameuse histoire que même si on ne peut pas du tout calculer les racines d'un polynôme de degré 5 ou plus, comme l'a démontré Galois, on peut connaître la somme de ces racines qu'on ne sait pas du tout calculer. D'accord? Et là, vous allez me dire, oui, mais dans z sur pz, s'il n'y a pas forcément de racines, etc., ben, il y en a dans une clôture algébrique. N'importe quel corps amène une clôture algébrique. Okay? Mais à l'arrière, on s'en fout. C'est nécessaire, en fait. Et c'est une bonne question, ça. On mate comme j'aime bien. Donc bref. Alors, le polynôme caractéristique, pour qu'il soit bien défini, il faut simplement. Non, ce n'est pas une fonction polynomiale. Ce n'est pas une fonction polynomiale. C'est un vrai polynôme à coefficient dans les k de x. Toi, tu as k les coefficients de ta matrice. Okay, donc k corps commutatif. Tu mets k crochet x, tu rajoutes une indéterminée. Hein, tu mets moins x sur ta diagonale, ou x, enfin, où tu fais x moins ta matrice, plutôt x identité moins ta matrice. Donc sur ta diagonale, tu as des coefficients qui sont dans k de x, et c'est un anneau, tu veux faire déterminant. Tu obtiens un polynôme. Tu n'as peut-être pas une fonction polynomiale, tu obtiens un polynôme, avec une indéterminée grand x. Et ce que je prétends, c'est que le coefficient en x puissance n moins 1 de ce polynôme, c'est la trace de ta matrice de début.
Donc effectivement, c'est un peu. Je veux dire, Samy, ce que je dis, c'est la somme des valeurs propres qui n'existe pas. Si elles n'existent pas, ça veut pas dire que la somme des valeurs propres vous la trace. Toi, si elles n'existent pas. T'es bien d'accord avec toi. Hein. Ça, c'est embêtant. Il faut dire du coup, les valeurs propres qui existent dans une clôture algébrique, machin, non. Ok, ça c'est embêtant. Mais par contre, là, on connaissait les racines, donc il n'y a vraiment pas de problème. Que zéro, tu vois, donc il n'y a pas de souci, quoi. Mais par contre, voilà. Donc, je ne sais pas comment dire ça exactement. Voilà, les valeurs propres, enfin. Les choses qui pourraient annuler je sais pas, donc, les valeurs propres dans une clôture algébrique, leur somme de ça, c'est toujours la trace. Hein. Effectivement, pour qu'elles existent vraiment, les valeurs propres, il faut bien que le polynôme soit scindé, quoi, tu vois. Ok. Alors, le petit c, démontrer qu'il peut arriver que trace de ABC soit différente de trace de CBA, bah, je pense qu'on va pouvoir s'en sortir avec ce qu'on a fait avant, là. Vous voyez, avec ces trois-là, quoi. Je pense qu'on va pouvoir faire une petite combinaison comme ça. Là, Blanche s'est embêtée avec des matrices de 2, elle s'est galérée, elle a trouvé un exemple. Mais il me semble que ça doit pas être bien compliqué, du coup, de faire avec trois matrices comme ça. Juste pour que ça n'annule pas les mêmes, quoi. Vous voyez, c'est, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? Hop, donc là j'en mets un autre. Que ce soit EI quelque chose là. Donc par exemple EIL, hop, ça va à la fin. Okay. Si je fais ça, à la fin, ça arrive, s'envoie, et la trace est 1. Ça envoie EL sur EL. Donc la trace de ça c'est 1. Et si j'ai fait dans l'autre sens. Alors ça simplifie pas. Ça va faire 0, quoi. Ça, sauf erreur de ma part, c'est ELL. Pour une fois, je comprends l'énoncé, vous voyez. Zut. Et ça, si on change tout dans l'autre sens, ça fait 0, quoi. À ça fois ça fait 0, c'est K différent de L. Hein. Si différent de L aussi. Hein. Donc la trace au 0, quoi. La trace au 1, la trace au 0. Ouais, pour calculer les polynômes caractéristiques, il faut faire le déterminant. Mais alors, l'astuce, c'est que bah, il faut trouver des combinaisons linéaires pour faire apparaître des zéros et faire des développements par rapport à une ligne et une colonne. Ouais, c'est ça la méthode, en fait. C'est galère. Donc voilà, donc là, vous voyez, Blanche, elle a trouvé un exemple, mais elle a dû perdre du temps parce qu'elle n'a pas pensé au sens de l'énoncé. Là, c'est A, B, C. Là, vous voyez, on demande, tiens, montrer que ça, c'est vrai. Et hop, après, pour montrer que ça peut arriver, que ça, c'est pas vrai. Et entre les deux, il y a un autre truc. Bah, c'est ça qu'il faut utiliser, quoi. Ça donne une indication pour faire ça, en fait. Là, elle ne l'a pas vu, mais bon, elle a quand même trouvé un contre-exemple, donc tout va bien. Et vous voyez, c'était vraiment pas très très dur, quoi. Alors ensuite, les formes linéaires, tout ça, donc ok. Si F est une forme linéaire, alors vous savez que, bon, question ultra classique, le noyau d'une forme linéaire, c'est un hyperplan. Il existe un vecteur tel que ce soit le produit scalaire sur ce vecteur, dans un espace de dimension finie, etc. Enfin, vous voyez, un vecteur normal au plan, à l'hyperplan, machin. Théorème de représentation de Ries, on a déjà parlé plein de fois. Donc, grand classique. Or, donc voilà, c'est comme trace de transposé de A fois M, c'est le produit scalaire de A avec M. On s'en fout de prendre la transposée, en l'occurrence, vous voyez, c'est A transposé de A, enfin bref. Donc on a ça. Alors c'est un théorème ultra classique. Hein. Maintenant, donc soit vous dites théorème de représentation de Ries si vous voulez gagner du temps. Sinon, ben, faut la trouver explicitement, ben, c'est pas très très dur parce que. Donc comme l'a fait Blanche, il faut regarder que f de EIJ, donc sur la bande canonique, ça c'est. Qu'est-ce qu'on prend comme coefficient? Moi, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle a marqué, mais trouve une matrice M telle que
trace de A fois EJ ce soit égal à F de EJ, d'accord? Et ça ne va pas être très dur. Que trace de A fois EJ, ça doit être plus ou moins un coefficient de A. Et marque là, trace de A fois EJ égale AJI. Alors vous voyez, il faut comprendre un trace de A fois EJ, en fait, c'est-à-dire qu'on fait d'abord EJ, c'est-à-dire qu'on envoie d'abord EJ sur EI, et après on fait A, donc on obtient A de EI. Donc ça c'est une matrice qui vaut tout le temps 0, sauf à la colonne I où ça vaut A de EI. Donc la trace de ça, bah, c'est bêtise là. Non, ça prend qu'une ligne. Oui, parce qu'il y a que des 0 et 1, 1. Donc pour n'importe quel autre que EI, ça vaut 0. Et pour EI, EJ, ça envoie sur EI. Et on fait A de EI. Ça, c'est cette application linéaire-là. Et pour le vecteur EJ qu'on fait A de EI, on la met dans la colonne. On met A de EI, donc c'est décalé. Et donc la trace, c'est bien AIJ ou AJI. Et donc on trouve les coefficients comme ça. Ça, c'est une bonne méthode, d'accord? Elle montre que, voilà, elle peut trouver un coefficient, elle trouve les coefficients de la matrice A pour que ça marche pour tous les EJ. Donc ça marche tout le temps. On ne veut pas invoquer le théorème de représentation de Ries. C'est une bonne méthode. Alors ensuite, démontrer que ces matrices M1, M2, M carré forment une base de M2 K. Alors les formes linéaires définies pour tout entier par Fi de M égale trace de MIM forment une base de l'espace vectoriel des formes linéaires sur K. Oui, alors ça c'est pareil, c'est pas bien dur. Parce que, donc du coup. Pareil, c'est si. Ça c'est. En gros, pour chaque. Et pour chaque. On a une forme linéaire pour chaque matrice A, d'accord? Donc pour M1, on a une forme linéaire, pour M2, on a une forme linéaire, etc., etc. Et donc, et donc, je suis en train de voir, je suis en train de dire, c'est, j'ai l'impression que les M1, M2, M3, c'est FI étoile, vous voyez ce que j'ai. Enfin, comment on dit FI rond, pas FI étoile, FI rond, vous savez. Enfin, bref, c'est des trucs de dualité que je maîtrise plus très très bien. En tout cas, donc, il suffit de démontrer que ça fait des trucs qui sont. Ça doit pas être bien bien dur. C'est quoi le plus simple? Mais enfin, l'idée, vous voyez, à chaque fois, c'est qu'on prend une base à chaque fois. Le noyau de ça, c'est les vecteurs, c'est ceux qui sont orthogonaux à transposer de MI, en fait. Hein. Les vecteurs qui sont. Les matrices sont enfin, orthogonales, ou les vecteurs de MN de K qui sont orthogonaux à MI. Et donc si les vecteurs font une base à la fin, bah, les noyaux se font une base, et donc les formes linéaires forment une base, bien évidemment, aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vaut 0 sur l'orthogonale de MI, en fait, ou transposée de MI, mais enfin bon. Et elle ne vaut pas 0 sur MI, en fait. Et donc, une base de Fn de K, telle que toute matrice M, on est M égale ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En train de m'y perdre un petit peu. Et de voir avec un peu plus de hauteur, mais là je suis en train de m'y perdre un petit peu. Qu'est-ce que. Bon alors, bon, je suis sûr qu'en faisant des calculs bourrins on y arrive, mais j'essaie de visualiser le truc là. Ah merde, vous voyez pas le sujet depuis tout à l'heure, sérieusement? Ouais, et ils l'ont dit plein de fois. Ah, quel boulet.
Pardon. Oh là, depuis tout à l'heure, j'ai pas remis le sujet. Pardon, pardon. Ok, excusez-moi. Donc, faut que je reprenne un petit peu ce que j'avais raconté là. Ok, donc voilà. Donc là, j'avais dit pour f2m égale trace de m, soit vous invoquez le théorème de représentation de Ries, soit vous dites, bah, vous regardez, si vous faites f de eij, vous trouvez que c'est aji, enfin c'est un certain coefficient, vous l'appelez aji, et vous trouvez la matrice A comme ça, quoi. Je pense qu'il existe, hein, on se dit, oh, bah si jamais c'est vrai, alors on voit qu'on obtient pour f de j le coefficient aji de la matrice A, et donc on dit, tiens, on définit une matrice dont les coefficients ji, c'est f de eij. Okay, donc, eh bien, une constante, et puis on démontre que cette matrice-là vérifie ça. Et okay, donc voilà. Alors, ensuite, donc j'ai hop, hop. Ça marche cette affaire. Du coup, là, je suis en train de me. Je devrais le voir, ça, mais j'ai un peu de mal. Ok. Une sorte de dualité hyper classique, mais j'arrive pas à me mettre dedans là. Alors, toute forme machin s'écrit comme ça. Donc de toute façon, il y a des matrices émises telles que f de m égale ça. Donc si je prends une base de ça, j'obtiens des vecteurs là. Il faut juste démontrer que si ça fait forcément une famille de libres. Et pourquoi ça fait forcément une famille? L'histoire, c'est que. Vous voyez, j'ai envie de passer l'orthogonale, quoi, mais là, c'est bizarre parce qu'ils prennent pas vraiment la forme orthogonale, parce que j'ai envie de dire, bah voilà, si je prends une combinaison linéaire entre les FI. Bien, je vais prendre une matrice M qui est orthogonale à tous les MI sauf une en fait qui est collinaire, enfin parce que c'est pas forcément des matrices orthogonales là, vous allez me dire. Une base, mais c'est pas forcément. Enfin, si je prends une matrice qui est orthogonale avec de M1, M2 jusqu'à le dernier, M carré moins 1, d'accord, qui est donc pas forcément parallèle avec MN carré, c'est ça le truc, c'est que je prends orthogonale à tous les premiers. Eh ben, je prends cette matrice-là ici, hop, ça va faire 0 pour tout le monde sauf pour 1. Donc FI de matrice va être nul pour tous sauf pour 1, et donc la combinaison linéaire, ça montrait que le coefficient de celui-là vaut 0, et ainsi de suite, ça montrait que la famille des FI de M est une famille libre, et comme il y a le bon nombre, ça veut dire que c'est une base, quoi. Ok, donc c'est un peu pénible, mais je vois pas plus simple, mais je dois pas être très en forme. Et ça a l'air simple en fait. On se dit qu'il y aurait une astuce. Je ne le vois pas comme ça. C'est ça qui est énervant, c'est qu'on se dit qu'il doit y avoir un truc très simple. Mais le problème, c'est qu'effectivement, là, ce n'est pas des matrices orthogonales, a priori. Hein. Ce n'est pas une base orthonormée. Hein. Donc, et puis, il ne parle pas de produit scalaire. Donc, voilà. Et effectivement, elle est un peu plus, moins subtile qu'elle en a l'air, celle-là. Oui, il faudrait rédiger un petit peu. Mais en gros, c'est ça l'idée, quand même. Hein. Je pense que trouver des vecteurs, en fait, c'est pas dur de dire que, voilà, le noyau de ça, c'est un hyperplan, de toute façon. Donc l'intersection des hyperplans, bah, pour M1, M2, machin, c'est de dimension toujours maximum 1 de moins, je veux dire l'intersection de l'espace vectoriel, bah, ça diminue, ça peut pas diminuer de dimension. Hop. Bon, je t'explique que l'intersection de trois trucs comme ça, c'est pas être 0, bah, parce qu'ils sont de dimension n-1. D'accord, donc c'est deux hyperplans de dimension n-1 chacun. La dimension de l'intersection est forcément supérieure ou égale à n-2 en fait. Hein. Ça peut pas être moins. En fait, ils sont tous de codimension 1, donc il n'y a qu'un espace qui n'est pas dedans. Donc quand je coupe, maximum, j'enlève une dimension du truc. Et avec 3, c'est forcément maximum n-3, etc. Et donc, c'est l'intersection de tous sauf 1 et de dimension au moins 1. Donc je prends un vecteur dedans et boum, je trouve que le coefficient correspondant vaut 0 et donc la famille est libre et donc c'est une base. Ok, donc ça va. Hein. On déduire ça. Ah bah ça c'est beaucoup en fait. Et je me demande si je peux même pas prendre la base canonique.
Ah non, là, ça c'est imposé. Oui, parce que les MI sont imposés. Parce que, alors, ça, je peux écrire une formule comme ça, mais les MI, je peux les... enfin, il faut les choisir après. C'est-à-dire que si je choisis la base, ah, je commence à voir, je choisis une base n'importe comment comme ça, F1, F2, Fn carré, je peux écrire M égale une formule comme ça, sauf que les MI, ce n'est pas ceux du début. Enfin, je peux trouver des MI tels que M, c'est créer une formule comme ça, tout simplement pourquoi. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, c'est ça l'histoire. Effectivement, c'est une histoire de... c'est la base duale. D'accord? C'est... Il existe des... Voilà, c'est l'application en fait qui a M associé de coordonnées dans la base F1, F2, Fn carré. Ça existe. D'accord? Alors, même plus précisément, c'est F1 étoile, c'est l'application linéaire qui a M associé sa coordonnée dans la base, la première coordonnée dans la base F1, Fn carré. Et FK étoile, c'est l'application linéaire qui associe la kème coordonnée de M dans cette base-là. Donc c'est une forme linéaire. Donc il existe une matrice, disons Ni, hein, telle que... Le FK étoile, c'est un certain trace de NKM. Et donc, quelle que soit la base aussi au début, on peut écrire M comme somme de ces trucs-là. Sauf que là, il faut choisir évidemment la matrice NK pour que ça marche bien, pour que ça fasse FK étoile. Et là, on est à l'inverse, parce qu'on a déjà les M1, M2, Mn, ils sont forcés. Alors, donc, c'est le contraire. Donc là, il faut choisir la base FI, telle que FI étoile, ce soit cette forme linéaire-là. Et donc, FI, c'est la base antéduale de ces formes linéaires-là. Vous voyez, c'est les... c'est les FI ronds, c'est ça, ah, c'est bien ça. Enfin, je crois que c'est un petit rond qu'on met en exposé. Je fais longtemps que j'ai pas fait enseigner ça. Enfin, j'ai même jamais enseigné ça en fait depuis que je l'ai appris. Donc, il faudrait que je m'y remette. Mais voilà, c'est hop, c'est la base antéduale de, je pense, de ces formes linéaires là, quoi. C'est la base telle que les coordonnées de M dans cette base, ce soit ces formes linéaires là. Alors, on dit étoile étoile? Ok, on dit étoile étoile peut-être. Et non, c'est pas, parce que ça, c'est pas des EI étoiles. C'est FI, c'est une forme linéaire. Donc FI étoile à ce moment-là. Il faut choisir la base F1 F2 carré qui soit égale à la base duale ou la base antéduale, je sais pas comment vous dites. FI étoile en fait. Hein. Si vous dites étoile, on dit deux fois étoile, c'est base. Voilà. Alors c'est la base dans le bidual, mais qui est isomorphe canoniquement au, à l'espace de départ. Bref, donc c'est chiant à écrire, mais ça s'écrit. Si vous voulez, bon là je voulais un peu discuter dans le général du sujet, mais si vous voulez qu'on essaye de revoir cette histoire de dual, qu'on y passe un peu de temps, pourquoi pas. Hein. Et on pourrait essayer de s'éclaircir la tête sur le dual un jour, là, faire un petit point là-dessus, essayer de comprendre un peu ce qu'il faut savoir et tout. Enfin, je regarde un petit peu à l'avance, mais ça pourrait être pas mal. Bon, bref. Alors, petit c, donc là petit c réflexe, ça doit utiliser le petit a et le petit b. Hein. Démontrer que si f est une forme linéaire sur n2k telle que f de mn égale f de nm. Toutes les matrices M et N de domaine de K. Alors F est proportionnel à la trace. Là, c'est un sujet, c'est une question comme ça qui n'est pas du tout évidente, je veux dire. Mais on nous donne des indications, c'est bien la preuve que ce n'est pas évident. On pourra utiliser les matrices E et J et le symbole de Kronecker défini au début de cette partie. Bon, super. Et alors, hop. Donc là, Blanche a fait ce qu'il faut faire à mon avis, c'est elle a traduit l'énoncé. Il existe un lambda tel que f égale lambda fois la trace. D'accord? C'est une... F est proportionnel à la trace, voilà, elle a dit ce qu'il fallait qu'elle réussisse à montrer, et clairement, elle n'y est pas arrivée, hein, donc rassurez-vous. Là, visiblement, elle n'y est pas arrivée ça non plus. Hein. Elle a dû faire le début. Là, le début, là, montrer que c'est une base, ok, mais ça, elle n'a pas dû y arriver. Et donc ça, il n'y est pas arrivé. Alors comment c'est pourquoi ça doit utiliser ça en fait. Hein. Je ne vois pas comment, mais ça doit utiliser ça. Non, mais j'ai pas envie de faire du truc bourrin. Il doit y avoir une astuce, Nick. Je la vois pas, mais c'est sûr qu'il y a une astuce, non? Je crois que le coup des matrices EJ, ça s'inquiète un peu. C'est ça, mais je vois pas comment.
Enfin, peut-être faut remplacer M par ça. La mettre IJ. Non, c'est bizarre. Je vois pas du tout. Ah bah si tu démontres que f de uj c'est un nombre fois trace de uj, ça passe. Oui, bah ça on l'a déjà vu, uj et ekl, ça fait pas tout le temps 0, sauf que des fois, voilà, c'est... Ah oui, ouais, je l'ai, t'as raison, c'est tout con en fait. On prend UIJ, UIK, on prend dans un cas où dans un sens ça fait 0, dans l'autre sens ça fait pas ça, ça fait c'est pas la matrice nulle. D'accord? Donc d'un côté ça fera 0 et de l'autre côté ça n'est pas la matrice nulle. Et quand est-ce que ça fait pas la matrice nulle? Eh bien simplement quand ça fait quand c'est un coefficient qui est pas le qui est pas sur la diagonale. Donc en fait, voilà, c'est ça. Une matrice qui est. Donc finalement on trouve que F de EIJ, ça fait 0. Le temps si i est différent de j et f de e i c'est f de e kk en faisant l'interversion en fait c'est tout con bon, je l'ai je sais pas si vous voulez que je vous détaille ou pas mais l'astuce c'est d'utiliser vraiment que des eij dans les deux côtés en fait donc si on prend un côté des eij ejk par exemple ou eik ekj bon dans ce sens là ça va faire 0. Et dans l'autre sens, ça va faire EKK. Enfin, ou non, alors c'est plutôt que je prenne EIK. Dans l'autre sens, il faut que ça fasse 0 dans un sens et pas dans l'autre. EIK, voilà, EKJ. Là, ça va bien faire F de EJ égale 0. Dans un sens, ça fait EJ. K simplifie. Et dans l'autre sens, ça simplifie pas. C'est J différent de I. D'accord? Et donc, ça va faire 0. Et donc, F de EJ, si I différent de J, ça fait 0. Et ensuite, je prends EIJ et EJK, et je trouve que bah, du coup, d'un côté, ça fait E, de l'autre côté, EKK, ça donne la même image. Et donc, F de E11 égale F de E22 égale F de E33 égale F de... Donc, sur la diagonale, c'est la même valeur, je l'appelle lambda, et partout à l'extérieur de la diagonale, c'est 0, et donc F, c'est égal lambda la fois la trace. Oui, en fait, c'était tout con. Du coup, en fait, je me suis fait avoir moi-même, pas putain. Alors. Je me suis fait avoir, moi, par la numérotation, là. J'ai essayé de... d'utiliser ça parce que ABC quoi. Vacherie ça. En fait c'est juste parce que c'est les préliminaires sur les formes linéaires sur la main de K, mais il n'y a rien à voir entre A, B et C quoi. C'est abusé quoi. Et en fait je me disais que je dois utiliser ça et du coup je voyais pas, vous voyez, c'est. Je me suis fait avoir par la forme de l'énoncé. Donc. J'ai honte. Ouais, mais c'est parce que c'est des formules sur les formes linéaires en fait. Toi, trois, les formes linéaires sur la main de K, et puis c'est trois trucs indépendants en fait. Et c'est une vacherie, hein. Hop, hop. Alors, hop là, qu'est-ce qu'elle a marqué là? J'arrive. Si j'ai un groupe de GLN de K, on note G la sous-algèbre de MN de K engendrée par G. Ok. Démontrer que G égale vecte de G, bah c'est quoi la définition pour elle de la sous-algèbre de MN de K engendrée par G? Ah oui, alors normalement, c'est on fait des produits combinaisons linéaires d'éléments. Mais aussi des produits, c'est une sous-algèbre. Donc normalement c'est, hein, on fait une combinaison linéaire des différents produits qu'on veut faire d'éléments de la partie. Mais comme G est un sous-groupe, bah, les produits qu'on veut faire là-dedans, c'est déjà des, c'est encore des éléments de là-dedans. Donc on fait des produits là-dedans, là-dedans, et après la combinaison linéaire, en fait, ça revient à faire une combinaison linéaire d'éléments là-dedans, puisque les produits sont des éléments de G, puisque c'est un groupe. Donc finalement, il n'y a rien d'autre que des combinaisons linéaires d'éléments de G. Ok, donc ça c'est une question fastoche, c'est cadeau. Hop, démontrer qu'il existe une base de G formée d'éléments de G. Oh la question, le problème, dans une subtilité qui m'échappe. Je comprends pas. Enfin, je veux dire, par définition, l'ensemble de tous les éléments de G est une famille génératrice de ça, puisque G égale vecte de G. Vous voyez, je m'emmerde pas, je prends tous les éléments de G, famille génératrice de mon espace. D'accord? Et quand j'ai une famille génératrice, voyez, on peut en dégager.
J'attends qu'on obtienne une base. Tant que c'est, je regarde, tant que c'est générateur, j'en enlève une. Hop, si ça reste une famille génératrice, bah, j'en enlève un autre. Ça reste. J'attends que ça. Enfin, non, plutôt. Ça reste, si c'est une famille liée, j'en enlève un. Vous savez, il y en a, c'est-à-dire qu'il y en a un qui combinaison linéaire des autres, boum, je l'enlève. Je regarde, est-ce que c'est une famille libre? C'est une famille libre, c'est une base. Si c'est une famille qui est encore liée, et bah, du coup, j'en enlève un. Elle reste forcément génératrice, parce que c'est à la base une famille génératrice, ça fait tous les vecteurs de l'espace. D'accord? Si j'en trouve un qui est généré par les autres, bon, bah, c'est qu'il sert à rien pour générer tous les vecteurs, donc on peut l'enlever, et ainsi de suite, donc comme ça, petit à petit, hein, hop. Alors, sauf que j'ai peut-être un petit détail dans mon histoire, quand même, ce qui va pas là-dedans, c'est que c'est peut-être une famille infinie. Donc, une famille infinie à la base, ok, c'est bien générateur, mais en environ un par un, j'ai jamais réussi à avoir une base. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, l'erreur. Voilà où est mon erreur. Je comprends pourquoi c'est plus subtil que ce que je disais. Vous voyez, je m'étais un petit peu emballé. Le problème, c'est que GN de K, c'est un groupe infini. Hein. D'accord? Il y a un nombre infini d'éléments, bien que l'espace soit dimension finie. Donc, alors voilà, du coup, c'est un petit peu moins évident. Comment on justifie le fait que si c'est vecte de G, où G est un ensemble, et ça c'est de dimension finie, on peut choisir un nombre fini d'éléments là-dedans. Ça marche encore. Intuitivement assez évident, mais juste comment on le justifie? Ah, ça va pas être très dur, Nick, quand même. On est dans un espace de dimension finie, hein. Ça doit être tout. Cardinal d'un élément et au plus n2, on fait une famille libre de cardinal maximal. Oui, mais comment tu fais? Je suis en train de me dire, hein. Je veux dire, je prends, ok. Comment je fais? Il y a un argument que je vois pas complètement, ça doit être tout con, hein. Il y a un truc qui m'a manqué. Je veux dire, je suis dans G, je prends des vecteurs de G, je me dis, bah voilà, je prends un autre vecteur de G, ok, si ça fait une famille libre, bah, du coup, ça, la dimension augmente de 1. Très bien, je prends. J'en prends un autre et puis je regarde, ah ça fait une famille libre ou une famille liée. Alors si c'est lié, bah, je laisse tomber, ça fait une libre, ça marche. Mais il y en a un nombre infini. Alors comment je sais que je peux réussir en un temps fini à trouver comme ça des vecteurs, tu vois? Soit G1, GD, une famille libre de cardinal maximal. Comment tu sais que ça existe? T'as quand même pas invoqué l'axiome du choix là.
que ce soit obligé quand même. Ok, que c'est forcément peut-être un petit peu ça. Faire le coup de la famille inductive qui amène un élément maximal quand même. Obligé de faire ça, franchement. Tom, la réponse est oui. Non, c'est pas une question. Pour l'ensemble des familles NIP d'éléments du groupe 2G. Et alors? Déjà, est-ce que c'est un ensemble cette affaire? Bon, admettons, Samy, ok. C'est un ensemble d'ensembles, enfin des familles libres d'éléments du groupe 2G, ok. Béatrice, je réponds pas aux questions qui sont pas de maths. Hein. D'ailleurs, normalement, il y a un texte pour dire, qui est passé, pour dire de poser que des questions de maths. Est réservé aux questions en rapport avec le sujet. Et comme couleur. Très bien. Bon, eh ben ça emmerde cette question. Alors, Samy, c'est pas du tout évident, je veux dire que. Que mon âge est plus grand que 40, t'es con, Fredo. La question c'est est-ce que mon âge est plus grand que 50? Et la réponse, tout le monde la connaît, hein, ceux qui suivent. Trop fâcheuse tendance à raconter ma vie. Toc toc toc. Mais vous voyez, j'ai failli me faire avoir en me disant ouais, fastoche. Et en fait, non. L'histoire de groupe finie, je n'ai pas fini donc. Il existe une base enfin, finie de Granger, cette dimension finie, hein, d'éléments qui sont dans vecteur de G, d'accord, ça c'est juste évident, mais pourquoi on peut les choisir dans G? C'est ça la question, et c'est pas si évident. Dire quoi, la base incomplète et la base adaptée? Tu pars de quoi? Moi ce que je partais, c'était, je veux dire, je voulais enlever les bases, toi j'ai une famille libre, une famille génératrice qui n'est pas maximale, tu vires des vecteurs jusqu'à temps qu'elle soit maximale. Enfin, minimale, je veux dire. Famille génératrice minimale. Mais sauf que là, il y en a une infinité, donc je ne peux pas virer les vecteurs un par un. Donc même s'il y en a un nombre énorme, est-ce que je peux me ramener à un nombre fini de ça? Vecteur de G, c'est égal à un nombre fini de vecteurs. Réfléchissons. Donc si on se dit, on peut trouver une forme de. Donc on prend un élément de G. Non nul. Ok, bon. Soit grand G égale vecteur de lui, soit pas. Si c'est vecteur de lui, on a terminé. Soit c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il existe des éléments dans vecteur de G, pas des multiples de grand G.
Que là, on est d'accord. Pourquoi déjà il existe un autre élément? Je sais pas moi, G1. G1, là, hop. Pourquoi il existe G2? En vecteur de G, il y a évidemment, il y a G2, il y a GK, il y a tout, il y a plein tous les éléments de G, mais qu'il soit libre avec lui. Tous les éléments de G étaient. Tous les autres éléments de G étaient dans vect de ce que j'ai. Alors, vect de ce que j'ai déjà sera égal à ça. Donc il existe forcément un élément de G qui n'est pas dans le vect de lui. Et donc je le prends à lui et j'ajoute. Et je fais vect de G1, G2. Ah y a, j'ai compris. Et si vect de G1, G2, c'est égal à ça, bah, c'est terminé. Sinon, forcément, il existe un élément de G qui n'est pas dans vect de G1, G2, parce que sinon. Vect de G sera égal à vect de G1, G2, et donc j'en prends un troisième, et ainsi de suite. Il va arriver, comme il y en a un qui est nombre fini, c'est en dimension finie, au bout d'un moment ça va s'arrêter, et je vais trouver des éléments de G qui forment une base. Est-ce que ça vous va? Je répète, hein, je n'ai pas rédigé tout ça, mais. Je viens de comprendre. Hein. Par récurrence sur, voilà, sur le nombre de vecteurs qu'il y a dans la base, en fait. Hein. Sur la dimension en fait de grand G, quoi. Dimension de grand G égale 1. Alors c'est fastoche, je choisis un élément dans G, n'importe où. Hop, vect de G1, clac, c'est égal à grand G, qui est de dimension 1, tout va bien. Et maintenant je suppose que pas vraiment de récurrence, parce que je n'ai pas su. Pas vraiment de récurrence au fait. Hein. Construit la base petit à petit comme ça. Je suppose que j'ai déjà trouvé. K éléments qui forment une famille libre de grand G qui sont dans grand G et qui forment une base de Géron, enfin une famille libre de Géron. Il y a K éléments qui forment une famille libre de Géron qui sont là-dedans. D'accord, donc vect de ces K-là, bah, c'est inclus dans ça. Et il y a deux options. Si vect de ça font tous les éléments de G, c'est-à-dire tous les éléments de lui sont dans vect de mes K qui sont là, d'accord, alors du coup, ça génère la famille génératrice de ça, donc ça génère Géron. Et donc vect de cela fait Géron, et donc j'ai gagné, j'ai bien trouvé une base d'éléments. Formé d'éléments de grand G. Soit ça ne fait pas tous les éléments de G. D'accord? Il y a un élément de G qui n'est pas dans vect de G1, G2, GK. Et donc je le rajoute. Hop, j'appelle GK plus 1. Et hop, je recommence. Et ainsi de suite. Et je sais que ça va s'arrêter puisque ça, c'est dimension finie. Donc il va arriver un moment où ça va se stopper, construction, où ça va bien faire que c'est égal à vect de tout ça. Et donc, base de ça, formé d'éléments de G. Donc j'utilise pas de théorème de la base incomplète. Enfin. Le fait qu'il dise qu'une famille libre maximum, famille libre et génératrice est une base en fait, non? Parce que là, je construis une famille libre, d'accord? Et au bout d'un moment, elle va devenir génératrice. Pas utiliser le. Moi, j'aime bien ce sujet pour le moment, Redouane. J'ai pas utilisé aucun théorème là, pas d'axiome du choix, rien du tout. Le fait que si une famille engendre bah, grand G, elle engendre grand G droit, elle engendre grand G rond. Oui, si avec des combinaisons linéaires de ma famille, j'arrive à faire tous les éléments de G, bah, du coup j'arrive à faire tous les éléments de vecteur de G, même si c'est infini. Pas une question. Si ma famille finie permet de générer tous les éléments de G, alors elle permet de générer tous les éléments de grand G. Donc il y a deux options. Soit elle fait tout, soit elle fait pas tous les éléments de G ce droit-là. Et donc, pour rajouter un élément de G droit qui n'est pas dans le vecteur des précédents. Donc tel que ça continue à faire une famille libre quand je l'ajoute. D'accord? Et donc j'ajoute des vecteurs de G, du groupe G, qui fait une famille libre de plus en plus grande. Et comme je suis un espace de dimension finie, au bout d'un moment, clac, ça va s'arrêter et ma famille sera génératrice. C'est une famille. Ok? Bref, vous avez compris? Ok, mais c'était pas évident ça. Donc j'en suis que dans les préliminaires, ça devrait être facile quand même les questions préliminaires. Si f et g commutent, montrer que tout espace vectoriel propre de f est stable par g, donc ça je vous en ai déjà parlé. Rappelez, ils ont un sujet, on a déjà vu cette histoire-là, donc c'est même vrai pour n'importe quel Kerr de P de f. Et c'est dans des vidéos que je viens de faire, en fait, qui. Théorème d'endomorphisme, je l'ai tourné, voilà, donc je vais bientôt la mettre en ligne. Pour ceux qui les ont déjà vus en avance, parce que je vous rappelle, c'est une récompense pour ceux qui me donnent des sous sur Tipeee, donc il y en a qui ont déjà vu cette vidéo. Bon, bref. Alors. Démontrer que si G est diagonalisable, alors sa restriction à tout sous-espace stable par G est diagonalisable.
Okay, donc ça c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Il faut penser à une caractérisation de la diagonalisation qui est pas du tout évidente. Est-ce qu'il y en a qui voient de quoi je veux dire? Et ça, on en avait parlé avec Blanchouille. Tente. On va dire, diagonalisable, je sais ce que c'est. Bon. Alors, qui c'est qui connaît l'argument? Ouais, c'est ça. Voilà, alors ça, c'est ça, le loup, je l'ai trouvé, c'est quand même pas évident, parce qu'on a plein de caractérisations de diagonalisables. Il existe une base dans laquelle la matrice est diagonale, il existe une base formée de vecteurs propres, les sous-espaces propres en somme directe font tout l'espace, etc., etc. Chaque fois, la dimension du sous-espace caractéristique est égale à la dimension du sous-espace propre, enfin, bref. Vous savez qu'il y a plein de définitions de diagonalisables, et il y en a une qui marche très très bien, c'est qu'il existe un polynôme qui annule G scindé à racine simple. Du coup, si G diagonalisable, il existe un polynôme comme ça, et ce polynôme annule évidemment toute restriction de G, n'importe quel espace-temps. Et donc, voilà. Donc, la restriction est diagonalisable. Voilà, ça c'est vraiment le truc qui tue, on sait ça ou on ne sait pas ça. Si on ne sait pas ça, on va se galérer. Alors, Timothée, la construction, tu veux dire ma question d'avant, là, même si j'ai pas dénombrable, moi je m'en fous complet. Non, ça, on s'en fout complètement. D'ailleurs, G n'a aucune raison d'être dénombrable en l'occurrence, Timothée, là. K, c'est R. K, c'est vraiment pas dénombrable. Par contre, attention, un vect, c'est des sommes finies. Hein. C'est bien ça le truc qui est important. Hein. Ça, c'est des combinaisons linéaires finies d'éléments de G. Hein. D'accord? Ok. Démontrer que si F et G sont diagonalisables, alors ils sont codiagonalisables. Bon, ils ont mis les deux sympa là. Vous avez les deux étapes de la définition, d'accord? Donc c'est tout bête parce que donc du coup, si on prend donc G est diagonalisable, alors on va prendre non, plutôt si F est diagonalisable, on va prendre pas ces sommes des espaces propres de F. D'accord? Donc on prend juste sur un sous-espace propre de F. Si je prends la restriction de F à un sous-espace propre de F, c'est égal à lambda fois identité. Donc, pour n'importe quelle base de l'espace propre, F est diagonalisable dans cette base-là. Partie de F est diagonalisable, vous voyez, sur cet espace-là. Sur ker de F moins lambda identité, bah, F est égal à lambda identité, donc diagonalisable dans toute base de ker de F moins identité. Mais cet espace-là étant un espace stable par G, G est diagonalisable sur cet espace, donc il existe une base de ker de F moins lambda identité qui diagonalise G. Et comme F sur cet espace-là est diagonalisable, quelle que soit la base de cet espace-là que je choisis. Je prends une base adaptée au sous-espace propre de G qui à chaque fois diagonalise le sous-espace propre de F qui à chaque fois diagonalise G et j'obtiens une base qui diagonalise les deux. Et donc ça, fastoche. Et là, il était midi déjà. Pour Blanche, vous voyez? Donc, hop. Et je pense qu'elle a bien réussi, hein. Alors ensuite, peut-être un coup d'œil au stat, on est 107, 107 personnes qui regardent, c'est cool. Alors, théorème de Burnside. Ah. Je ne connaissais pas du tout ce théorème. Oh là là là. Ok. Alors par contre, on a déjà vu ces histoires de si sous-espaces qui sont stables. Vous voyez, un isomorphisme qui laisse stable tous les espaces vectoriels est forcément une homothétie, on l'a déjà vu. Alors c'est pas exactement ça là. Attendez, est-ce que c'est vraiment ça? Donc on note A, une partie non vide de L2, on suppose que les seuls sous-espaces de E stables par tous les éléments de A sont E et 0. Et donc A est réductible. Donc démontrer que l'ensemble des éléments commutés avec tous les éléments de A. Exactement les homothéties. D'accord. Donc, alors c'est ce que, en fait, si on s'y ramène, parce que si notre monomorphisme avait un espace propre qui était de dimension plus petite que la dimension de E, c'est-à-dire que E n'était pas égal à un espace propre, alors vu qu'il commute avec tous les éléments de A, eh bien cet espace-là serait un élément stable par tous les éléments de A et ça n'existe pas à part 0 ou E. D'accord. Donc, si notre élément de L2 commute avec tous les éléments de A, et ben un espace propre à lui, c'est soit 0, ben donc c'est pas un espace propre, hein, pas de valeur propre, ça vient, soit E.
Okay. Et comme on est dans C, bah, son royaume caractéristique c'est un D, donc il a au moins une valeur propre. Et donc, il bah, n'y a pas de choix, l'espace propre c'est E. Donc, care de si lambda est cette valeur propre, care de U moins lambda identité, bah, c'est E. Donc, U est égal à lambda identité, hein, parce que U moins lambda identité c'est l'application nulle, et donc c'est l'homothétie. En fait, là, il n'y a pas d'histoire encore que si ça c'est stable, si tous les espaces sont stables, c'est l'homothétie, j'ai confondu, voyez, là, il n'y a vraiment pas besoin encore. Démontrer à l'aide d'un exemple 2 que le résultat de l'action présente tombe en défaut si R et CC remplacé par R. On pourra utiliser rotation de R2, ils sont extrêmement sympas parce qu'effectivement, pire c'est que les espaces propres de E, c'est tout ça. Mais s'il n'y a pas d'espace propre de E, c'est pas de valeur propre. Donc par exemple, une rotation d'angle, je sais pas moi, 90 degrés, hop, eh bien, du coup, ça ne doit pas marcher. Alors pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme A? Eh bien voilà, je prends une partie non vide qui se pose les sous-espaces par tous les éléments de A sont E et 0. Eh bien, je prends une rotation donc 90 degrés par exemple. Juste une. Eh bien, il n'y a pas d'espace stable, à part vecteur nul et E tout complet. Hein, dans R2, une rotation n'a pas de sous-espace stable. Il n'y a pas de droite stable, hein, d'accord? Donc il n'y a pas de sous-espace stable. Pas de valeur propre, vous voyez bien. Donc, un vecteur propre, il faut bien se rendre compte, c'est un vecteur dont l'image est collinéaire avec lui, en fait. Hein. Bah, une rotation dans 90 degrés, l'image d'un vecteur n'est jamais collinéaire au vecteur. Hein. Elle est même tout le temps orthogonale, tout ça. J'ai pris 90 degrés, mais 37 degrés, 5, ça marchait aussi bien. Hein. Et donc, je prends juste pour A une rotation. Et donc, il faut que je trouve les éléments qui commutent avec tous les éléments de A. Bah, c'est une autre rotation. Ça commute avec une rotation. Deux rotations d'angles différents commutent. Je tourne de 37 degrés, puis de 90, ou de 90, après de 37, ça fait la même chose. Et pourtant, c'est pas une homothétie. Une rotation n'est pas une homothétie, donc ça va. La partie 2 plus haute qu'un piment mexicain, ok, on va voir ça. En tout cas, là ça allait. Alors, donc ça c'est une horreur. Enfin, je sais pas, ouais, je sais pas comment démontrer ça. Alors, l'hypothèse qu'on a rajoutée, parce que là on vient de voir qu'il y a des parties de L2E qui sont irréductibles, hein, ça existe, hein, d'accord. Mais par contre, là, ce qu'on rajoute, c'est sous-algèbre. Ça, c'est pas du tout pareil, d'accord? Parce qu'a priori, ils prennent des. Voilà, c'est sous-algèbre, c'est pas la même chose. Donc il faut que ça se tape par produit, par rotation, enfin par multiplication, par addition, etc. Donc, l'algèbre, ça contient tout de suite plein de choses. C'est-à-dire, même je prenais juste une matrice, ça fait toutes ces itérées, etc., etc. Par exemple, là, ma rotation, même ça marche plus du tout. Dans R, ma rotation dans 90 degrés, par exemple, bah ouais, mais attends, c'est fou. Si c'est une sous-algèbre, c'est-à-dire que je les multiplie, même ça fait identité, là. A puissance 4 égale identité, terminé, c'est mort. L'identité, elle a des sous-espaces d'accord, qui sont stables. Alors c'est peut-être pas ça. Non, il faut que ce soit stable par tous les éléments de A, je dis des bêtises. Ça marche. Donc attendez, si un seul élément de A n'a comme espace stable que vide et E, ça passe. C'est irréductible. Donc dans R, ça déconne toujours. À quoi que je ne sais pas si la sous-algèbre engendrée par les rotations, ça ne fait pas tout. Les sommes, les produits, c'est sûr que non, ça fait des rotations à chaque fois, mais alors les sommes. Pas clair. Peut-être que ça fait tout, en fait, je ne sais pas. Bref, alors. Oui, alors ça, j'ai regardé vite fait, j'ai trouvé ça un peu chaud, effectivement. Ça, je pense qu'il fallait passer. Pas grave, il est sympa, hein. Donc ça a l'air facile, mais en fait, c'est vrai que quand je l'ai lu là, vite fait, j'ai rien compris. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, on a une application. On a des égaux au début, mais l'idée, c'est en fait que ça donne.
On peut écrire ça moralement, c'est un peu comme si on donnait la matrice de ça par rapport à la base. Ça, ça va aider. On désigne par eux île sous espace vectoriel ici, ok, d'accord, bon. Et... On a une base de 1 et de N2, ça détermine une base de chaque EI. Donc une base de puissance N, ok. Donc E puissance N, bah, c'est de dimension N2, hein, parce que c'est un V2 Vn, enfin il y a N vecteurs de dimension N, donc c'est dimension N2, et donc un élément de L2N, c'est une matrice de taille N2. Base. Et alors pourquoi où les blocs sont de taille N? Alors, pourquoi? L'application linéaire de ça dans ça. Pourquoi ce serait ça? Que lui, à la rigueur, joue bien. Bien parce que f de v1 est stable, f de v1 c'est dans e1 et une application linéaire c'est forcément stable. Alors, oui, ça veut dire une application linéaire de ça. Tout élément là-dedans peut s'écrire comme une somme d'éléments là-dedans. Et on prend L de cette somme, donc ça fait L de 1 plus L de E plus L de N. Pourquoi L de 1? C'est forcément dans E1. Question linéaire quelconque de puissance n, je comprends pas bien. Là, je comprends même pas en fait. Quelqu'un comprend cette histoire de bloc de taille n là? Ah putain, j'ai lu une matrice diagonale par bloc de tous de taille n. Oui, non, mais d'accord, je suis très con. Oui, non, mais d'accord, ok. Il n'y a pas de raison, ok. Pardon. Oui, non, mais ouais, c'est moi qui sais pas lire en fait. Donc à chaque fois, c'est l'application, voilà, de L puissance n, ben, elle envoie EI sur un certain. L'image de EI peut être envoyée dans la somme des EJ, et donc tu coupes, et hop, tu as une application de E1 dans E1, une application de E1 dans E2, et c'est ça, c'est des blocs de taille n. Oui, non, mais ça. Matrice NN de matrice NN quoi. Ok, d'accord. Lui diagonale par bloc. Je sais pas pourquoi, Tant pour moi. Pas lire l'énoncé. Donc bien lire l'énoncé, vous vous rappelez, je vous avais dit ça. Ok. Alors décrire dans le bas ci-dessus la matrice par bloc d'un élément L de N qui commute avec tous les éléments rho de A pour A appartenant à A. Alors par contre, rho de A, c'est stable. Ça, c'est une matrice diagonale par bloc. D'accord? D'accord? Et la matrice dans chaque bloc, c'est la matrice de F, hein. Normalement, c'est une matrice identité, quoi. Sauf que les matrices de matrice, c'est le bordel, parce que d'habitude, pour faire une matrice, il faut que les éléments de cette matrice soient dans un corps commutatif. Ou au pire, dans un anneau commutatif. Et là, si on prend des matrices de matrice, l'anneau, là, il n'est pas commutatif du tout. Ça va pas du tout, hein. Donc faut se méfier. Là, ça va pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que les matrices commutatives avec tous les éléments de O de A?
pour regarder un peu que ça fait. C'est les calculs débiles, mais faut se méfier un petit peu avec les matrices de matrices. Donc, si j'ai bien compris, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, hein, mais. Toc. On a la matrice de Rho de A égale à une matrice A ou ici. Je vais pas remettre une matrice, c'est la matrice A. Matrice A, la matrice A, la matrice A, la matrice F, et puis des zéros partout. Une matrice de taille n carré. Il y a une ligne et une colonne. Voilà, donc ça on est d'accord. Et donc on multiplie avec une matrice quelconque, là, avec des coefficients dans tous les sens, dans un sens et dans l'autre. Qu'est-ce que ça fait? Sachant qu'il faut se méfier parce que l'ordre est vachement important. J'ai pris E1, alors je sais pas, M1. Bon, je vais pas tous les écrire parce que ça va vite me saouler. M1,2, etc. De 1. Juste pour essayer de comprendre. Hop, hop. Faire super gaffe parce que là, n'oublie pas que le produit des coefficients n'est pas commutatif, hein. Non. Et donc si ça commute, ça va faire la même chose. Dans ce sens-là, ça fait AM1. Hop, AM21, AM12, etc. Et dans l'autre sens, ça fait quoi? Ça fait M11A. Donc là, dans ce sens-là, je vais quand même passer à la ligne. Hop. Dans ce sens-là, ça commence par. Je me gourre pas. AM1, ensuite AM12. Vite. Ensuite, hop, AM21. En fait, c'est tout multiplié par A de ce côté-là, en fait, hein. C'est pas si dur en fait, mais je sais pas, j'avais peur de dire des bêtises parce que quand c'est pas commutatif, moi je suis toujours en panique là. Ah, c'est bien AM22. Et dans l'autre sens. Égal à. M11A plus. Ici, ça fait bien M12A. Voilà. Moi qui suis un boulet. En fait, c'est pas dur. D'accord. Et donc, si. Voilà, les commutes qui ont tous les éléments Rho de A. De trop là. Et les matrices M1 qui commutent avec tous les matrices comme ça, bon, en fait ça veut dire qu'elles commutent avec tous les éléments, c'est les matrices. C'est-à-dire tous les coefficients M1 et M2 commutent avec tous les éléments de A. C'est évident la matrice diagonale par bloc de A, bah, c'est la définition en fait, hein. Regarde ta définition de Rho de A, en fait, c'est ça. Hein. Voilà, tu vois, donc c'est-à-dire que l'image de V1,
un vecteur de E1, eh bien, c'est f de v1, c'est bien un vecteur de e1. Il n'y a pas des. C'est pas. Tu vois? F de v1 2,0000, bah c'est f de v1 0,0000, tu vois, c'est bien dans la première composante, quoi. Un vecteur qui est dans EI, f de EI, c'est inclus dans EI. Donc c'est pour ça c'est diagonale par. Attends, je remonte l'énoncé, zut. Regardez, c'est la définition de rho de f qui est ici, là. Alors, si je prends v1, il est dans e1 croix 0,0000, f de v1, bah, c'est bien dans e1 croix 0,0000. Tu vois, si je prends un v1 et que des 0, bah, ça fait f de v1 et que des 0. Donc les combinaisons, elles sont stables. Rho de f. C'est pour ça que c'est une matrice diagonale par bloc. D'accord? Et au début, je pensais que c'était vrai pour tout, mais il n'y a aucune raison, en fait. C'est pour ça que je me dis. Et donc, si on cherche des matrices, là, qui commutent avec tous les éléments de rho de A. Autrement dit, on cherche, il faut les trouver les blocs M1, M1,2, M1,2A, qui commutent avec tous les éléments de A. Tous les éléments de notre algèbre, là. Notre algèbre machin, quoi. Et donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que c'est toutes des homothéties. Tous les M1 et M2 machin doivent être toutes des homothéties. Hein, d'après la question. Donc, l'ensemble des éléments commutés avec tous les éléments de A sont exactement les homothéties. Donc, ça veut dire que notre matrice là par bloc, c'est que des homothéties. Donc, en fait, il y a des coefficients lambda 1, enfin, je sais pas, on peut les appeler M1, M1,2, machin, tels que c'est M1 identité, M1,2 identité. Donc, c'est vraiment une matrice bizarre. Vous voyez, c'est une matrice tout à fait de taille nn, mais que j'ai, au lieu de mettre chaque coefficient, je le mets dans une matrice nn fois identité. Vous voyez, c'est très très étrange. Vous voyez ce que ça veut dire, hein, sur ces, je peux dessiner si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que c'est des éléments comme ça, quoi. Des éléments qui sont de la forme, hop, M11 fois identité là. Coefficient M12 fois identité puissance n. Ainsi de suite. M. Ici aussi. Et à chaque fois, c'est identité là. Quoi. Matrice comme ça, quoi, d'accord? Les matrices de C. Bien ça, C, c'est l'ensemble des matrices comme ça, en fait. Je ne sais pas pourquoi ils dupliquent les dimensions, j'ai encore un peu de mal à voir, mais voilà. Donc c'est un challenge, on m'a dit que c'était infaisable, donc c'est pour ça que je regarde un petit peu, mais je ne devrais pas parce que j'ai passé tout... enfin, toute la soirée dessus. Hop, hop, hop. Et... Ah oui, parce qu'avant c'était que tous les éléments de A, mais on a déjà vu que. D'accord, donc maintenant c'est évident parce que il suffisait de commuter avec tous les éléments de A pour atteindre une homothétie, mais sur une homothétie, on commute avec toutes les matrices diagonales par bloc. Pas nécessairement avec. Parce que la différence avec cette question au début, je ne voyais pas, c'est que c'est A dans A, là c'est F n'importe où. Ça c'est une question évidente. Petit B, fastoche. D'accord? Enfin, quand on a compris la petite. Bon, la question 8, ça allait, franchement. Bon, la 9, là, on va sauter parce que là, je sens que ça va être chaud quand même. Je vais pas, sinon, je vais passer la soirée. Ouais, ça a l'air dur. Je pense qu'on va aller chercher la bière. Ça n'a pas l'air très dur. Donc, on va commencer à regarder les premières questions de ça. Mais déjà, on va se chercher une petite bière, on fait une petite pause, allez, 10 minutes. Je vous pose des petites questions, c'est le moment. Allez, à tout de suite.
Petite pub, hop, hop. Dans sa fuse, hein, pour ceux qui savent pas. Hop, hop. Là, vous arrivez à voir fabriquer. Passé au sein du département de biotechnologie de l'Université de La Rochelle. Petite pub. Et donc, quand vous venez me voir, si vous venez à La Rochelle, vous venez, je vous offre la licence infuse. Membre du groupe Facebook Agrégation pose la question, est-ce que j'ai un planning de ces corrections? Ben, en fait, on le fait au fur et à mesure. L'idée, c'est que ce soit collaboratif. Donc, non. Non, puis en plus, voilà, il y a des aléas, des machins, j'ai pas envie de. Déjà, c'est un peu compliqué, mais je suis là a priori tous les mercredis soirs. Je vous rappelle, par exemple, je ne voudrais pas raconter ma vie, mais c'est un peu l'anniversaire de ma fille ce soir. Et je me suis débrouillé pour que ça mange tôt, ça finisse tôt pour que je puisse être là. Bref. Donc a priori, non. Pourquoi lire Rubin? Parce que c'est bien, mais après, j'ai pas dit que je ne connais pas Stein et Karachi, c'est peut-être très très bien aussi, mais ça n'empêche pas. Hein. Hop. Et donc, et en fait, l'idée, c'est qu'on soit lisse ensemble, en fait, avec les fans, ceux qui sont là tout le temps, qu'est-ce que vous voulez voir après? Donc moi, ce que je suggère, ce que je vous ai dit, c'est qu'on regarde les sujets là. Après, je sais pas si vous voulez qu'on rédige vraiment des questions et tout, mais en fait, l'idée, c'est qu'on passe un peu de temps sur les deux sujets, là, pendant que c'est dans le show, dans les écrits, que je vous essaye de vous expliquer des trucs. Pas forcément qu'on les rédige complètement, d'ailleurs, c'est comme vous voulez, et plutôt qu'on fasse des sujets d'oraux, là, en fait. Commence à taper dans les leçons, quoi. Donc, qu'on essaie de trouver les leçons les plus bateaux, ou les celles sur lesquelles vous avez des idées, et puis qu'on en fasse une ou deux dans la soirée. Je sais pas si en 1 heure et demie on peut faire un truc bien rédigé et tout, parce que le but c'est qu'après vous ayez un plan de leçon un petit peu original, un peu différent de ce qu'on trouve partout sur internet, qui vous convienne, avec plusieurs choix possibles de développement et tout ça. Donc voilà, un truc une fois que c'est fait, et je veux dire qu'à vie, cette leçon-là, vous dites tiens, allez, je regarde Math Adulte, et il y a 3 heures cette leçon, c'est bon, je sais tout, je re-regarde cette vidéo et je sais tout ce que je peux faire dessus, oui. Et ça, on peut faire ça. Donc, du coup, et ce serait qu'à force, à force d'en faire d'ici quelques années, parce que je vois à long terme, on est un panel énorme. Alors, vous dire, oui, mais moi, je le veux la grecque cette année ou l'année prochaine. Bon, d'accord, mais oui, mais je suis d'accord. Mais pour vos successeurs, ce sera très utile dans 5 ans. Et puis là, ça peut tomber sur c'est le peu de leçons qu'on aura fait. Si vous tombez dessus, ce sera du bonheur. Merci, Mafalda, je dirais. 22h39, elle est peut-être couchée, donc je ne vais pas gueuler bon anniversaire à travers la cloison, mais. On espère que cette année, les euros vont être maintenus, mais bon. Ok, allez, est-ce que tout le monde est revenu? J'attends encore quelques minutes. À 45 pour être sûr que tout le monde a eu le temps de faire fumer sa clope et tout ça. Donc, si vous voulez poser des petites questions, c'est le moment. Autre chose que des maths, je veux dire. Donc, non, je vais pas faire la correction de concours commun Polytechnique Analyse. Peut-être le sujet est intéressant, je sais pas, j'ai regardé, mais là, on prépare la grecque interne. Donc, hop. Quelles sont les nouveautés? Honnêtement, pas grand-chose. Ça vaut pas le coup de l'acheter, c'est déjà le premier. Le mec, c'est super pub, quoi. 2 euros par bouquin. Donc, non, non, c'est bah, j'ai actualisé certains trucs. Ouais, je parlais de certaines choses là qui étaient en développement, qui n'étaient pas finies. Donc voilà, j'ai rajouté des. Actualisé pas mal de petits trucs. Par exemple, je parlais d'ordinateur quantique. Je faisais complètement la passe dessus dans la précédente édition. Livre complet, non, j'en ai pas fait d'autres. Ça prend un temps vraiment de malade, donc je vais pas d'en faire. J'ai écrit des bouts, vous voyez, par exemple celui-là, là. Donc je suis assez content, et vraiment très bien, et voilà. Et donc voilà, ici, là, vous voyez, j'ai le baillimètre, là. Hop, j'ai participé. C'est moi qui ai écrit tout le chapitre sur les modules, par exemple, sur l'arithmétique, quel est le hasard. Sur les anneaux principaux et tout ça, c'est moi, et sur les modules aussi, c'est moi. Et c'est pas mal, je crois, c'est plutôt intéressant, enfin j'espère en tout cas. Ah bah non, Colin, 22h40 là, tu vas te coucher maintenant. Ouais. Tu vas au lycée demain. Mais pourquoi? Parce que t'as lycée demain. Non, Non, mais Colin, c'est bon. il faut de la F. Voilà, c'était le petit passage de Colin qui veut un temps supplémentaire pour jouer avec son ordi alors qu'il est déjà tard. Classique, hein, il passe tous les mercredis, enfin, il passe tous les soirs en fait.
Hop. Je te dirais, Colin, t'as un salut de Tobias. Alors, ah non, non, physique quantique, je reste très vulgarisation. Hein. Je ne rentre pas dans le détail du truc. Hein. Les personnes suffisent largement, oui, pour les au niveau des leçons de l'oral, à mon avis, oui. Donc, pour pas être trop ridicule à l'oral, honnêtement, le niveau, je crois que c'est pas. Évidemment, faut pas que ce soit ridiculement faible, mais pense pas qu'il faille taper dans les trucs hyper durs. Développement de malade, vas-y, que je tape dans les théorèmes de topologie non métrique et tout. Je pense pas que ce soit le trip, hein. Autant ça peut le faire, vous voyez, quand on est si on est normalien et à l'y externe pour se la péter, mais sinon, l'y interne, je crois que surtout faut pas dire de conneries. Il faut mieux rester à un niveau un peu plus faible et puis bien assurer le coup que de partir dans des délires, à mon avis. Bon, allez, encore 45, pas loin. On va dire tout le monde est revenu. Parce que là, il n'y a pas trop de questions, des fois ça n'arrête pas, mais. Quand est-ce que j'ai passé quoi? La grègue? Moi, j'ai jamais passé la grègue interne. J'ai passé l'externe en 94, comme Villani. J'ai appris ça la semaine dernière. Quelqu'un m'a dit, ah, la même année que Villani. Ah ouais, bon. Il a 3 ans de moins que moi, il a passé la grègue la même année que moi. C'est un peu la honte pour moi. Bon. Alors, la liste des leçons n'est pas publiée, donc on va dire dans le doute que c'est la même que celle de 2019. Ouais. Ah ouais, je pense que oui. Un bon niveau MPSI, ça doit pouvoir suffire. Non, si, Samy, tu déconnes. Je veux dire, tu fais un développement de niveau maths spé, MP, hein, pas sup, hein, mais je sais pas quoi dire MPSI, moi je comprends maths spé. Hein. Tu fais un bon développement du niveau maths spé, ils vont te poser des questions, si tu dis pas de conneries, ça passe à la grille externe. Alors là, j'en suis persuadé. Hein. Si A est une tribu qui contient tous les fermés, pourquoi elle contient tous les ouverts? Ben, une tribu c'est stable par complémentaire, rigolo. Donc forcément, si t'as tous les fermés, t'as tous les ouverts. Oui, MPSI, c'est sup, c'est ça forcément, d'accord. J'avais pas tout suivi. C'est un bon développement, P égale NP. Oui, donc niveau sup, c'est un peu limite. Traiter l'algèbre dans l'espace de Hilbert slash Fock, je ne sais pas ce que c'est que l'espace de Hilbert slash Fock. Donc non. Allez. 44, on va reprendre. Attends que les gens aient le temps de finir leur clope, mais. Alors, allez. 45, on y va. Donc. Dans la leçon de déterminant, il y a une leçon qui s'appelle juste déterminant. Il n'y a pas application du déterminant ou tout ça. Honnêtement, je sais pas ce qu'il faut faire comme déterminant. Je sais pas trop les. Là, j'ai pas en tête. Je connais pas trop les. J'ai pas trop réfléchi. Je sais pas. Donc sur cette leçon, je pourrais pas te dire les développements qu'il faut faire, ce casse-clic ou pas. Mais Vandermonde, ça m'a l'air pas très dur. Une petite récurrence à 2 balles, je veux dire. Tu vas mettre quoi? 30, allez, pas 30 secondes, mais 2 minutes à démontrer Vandermonde. Donc, comme on dit, c'est un peu léger, ne serait-ce que pour ça, quoi. Le grand thème de Fermat, ça le fait bien. En 15 minutes, c'est raisonnable. Ah, Blanchouille, salut! J'ai parlé de ta suggestion, Blanche, hein, de faire des sujets d'oraux et ça a rencontré un franc succès de la part de Agnès et certains autres. Donc voilà, donc on fera ça. On a une super, j'ai une super leçon à vous suggérer sur les différentes formes de suites de récurrence, là je sais pas quoi. C'est quoi le titre exactement? Différentes sortes de suites définies par récurrence. Donc on pourra parler de ça. Mais là j'étais en train de parler des, je suis en train de montrer tes petites étoiles, tes sujets, tu vois. Donc j'ai parlé de toi là, tu vois, on montre ton sujet, donc on regarde tes petits commentaires et tout, on rigole bien. Donc
Toi, c'est ton sujet qu'on regarde, quoi. Eh bien, si. Donc, j'ai dit que tu avais bien réussi, ce que je pense vraiment, hein. Ça fait plein de questions, donc tu vas cartonner. Bon. Allez, donc on reprend. On en est à la partie 3. Ouais, j'ai torché la partie 2, Blanche. Non, je déconne. J'ai sauté la fin de la partie 2, j'essaie juste de regarder un petit peu les qu'on pouvait faire ou pas. Ok, alors on définit l'ensemble des ces trucs-là, l'ensemble des matrices comme ça, montrer que tous les éléments de A sont nulpotents. C'est pas là, c'est bien ça, c'est pas la sous-algèbre engendrée. Hein. Donc, ok. Donc, pourquoi tous les éléments de ça sont nulpotents? Bah, je sais pas, ça a l'air, ça perd. L'image de E1 c'est B fois E2, l'image de E3 c'est moins A fois E2, et l'image de E2 c'est du E1 fois du E3 au carré. Ça va donner quoi? Pas trop l'argument essentiel, j'ai pas envie de calculer ça au carré et au cube, ça doit être ça marche à 0, mais j'ai trouvé un argument simple qui est sans calcul pour prouver que A est nilpotent. Regardez A au cube sur chacun des éléments quoi. On peut faire le point pour marquer la puissance, c'est pas très dur, mais sinon si on veut le faire de tête, regardez. Qu'est-ce que ça fait A au cube de E1? Donc d'abord on fait de A de E1, on trouve BE2. D'accord? Ensuite, on fait donc A de BE2, et on trouve que c'est BAE1 plus B carré E3. Et ensuite, on fait A de BAE1 plus B carré E3. D'accord? Et donc on trouve que ça fait AB carré. E2 moins A B carré E2 et ainsi de suite pour les mêmes pour les autres. Bon, mais et donc A au cube ça fait 0. Démontrer que la sous-algèbre de M2C engendrée par A contient toutes les matrices diagonales. On pourra considérer la matrice O et B égale 1 et avec A égale 1 et B égale 0. Et donc, ça fait quoi A au carré et B au carré? Bon, c'est pas complètement évident, mais ça va pas être très dur. Non, c'est juste du calcul, hein, j'ai la flemme, mais on fait AB, A carré B, AB carré, comme a dit, on doit trouver les différents coefficients, et par combinaison linéaire, on doit pouvoir faire toutes les matrices. Bon, je vais le faire vite fait à l'ordi, je vais dire s'il vous plaît, mais ça doit pas être bien compliqué quand même. Hein. Hop, hop.
Ils nous disent de faire 0, 1, 0, tab, 0, tab, 0. Hop, et puis... Boum, et puis l'autre, c'est... Alors, cette fois... Hop, hop, et puis là, il y a un 0, et puis là, il y a 0. Ok. Voilà, déjà, si on calcule ça, ça, on n'est pas loin. Ça, on n'est pas très loin, sachant qu'on a aussi l'identité. Faire des combinaisons linéaires. Ça suffit pas parce que là j'ai que des zéros. Comment tu veux que je fasse toutes les diagonales? Ah si, avec. Pas si évident. Avec juste ça, identité. Les combinaisons linéaires de ça, identité, je peux pas faire toutes les matrices diagonales quand même. Mais là, moi je pensais que celle-là, c'est bon là maintenant. Non, tu veux dire, tu veux faire des carrés, c'est ça? Celle-là au carré, par exemple. Moi, ça m'intéresse pas, c'est pas dans la diagonale. Non, mais là, je pense que ça me suffit. Hein. Je veux dire, je fais une combinaison linéaire de ça, ça et ça. Je perds. Ça et puis identité, je pense que je peux faire toutes les matrices diagonales. Il faut juste que je regarde, mais ça va être très dur. Là, si je veux faire ABC. Et ben c'est égal à un certain multiple de identité plus un certain multiple de ça plus un certain multiple de ça. Donc le multiple de ça plus ça, ça va faire A. Ensuite, le multiple ça. YZ. Donc X plus Z égale A. Ça, si j'arrive à le faire de l'autre. 11X plus Y plus Z égale V. Ici. 11Y Z égale C. Pas très dur. Hein. J'arrive pas à résoudre deux têtes. C'est honteux. Résoudre, hein, parce que je suis un gros feignant. Alors, x plus z égale 1. Je vais avoir les. Là, je vais voir toutes les lignes. Donc, ensuite, moins x plus égale b. Et puis, le dernier, moins x égale c. Comment qu'on fait pour résoudre un système, c'est pas comme ça? Vous voyez, moi? Alors, je ne sais même pas comment. Voilà. À trouver. Hop. Alors, voilà. Donc, inconnu, c'est x, y, z, boulet.
Je connais plus le truc, j'utilise jamais ces fonctions-là. Je connais plus trop la syntaxe. Là, il me demande, tiens. Là, il me demande. Bon, tant pis, il faut que je le fasse à la main, c'est un peu chiant. Allez. Pas très dur non plus, hein. Alors, moins x, ça fait z moins a. Y, y, ça fait z moins t. Z égale B. Donc voilà, ça fait 3Z, donc B, donc Z égale B plus C plus A, A plus B plus C sur 3. Et voilà, et donc A moins A plus B plus C sur 3, ça fait 3A moins ça, ça fait 2A moins B moins C sur 3 pour X. Et bon, bref. Résoudre ça quand même, pas déconner quoi. Donc ça suffisait avec ça. Ok, revenons-en à notre énoncé. Il y a des questions. Donc il y a bien toutes les matrices diagonales, ok. Déterminer les sous-espaces de ces trois stats par tous les éléments de A. Alors, si c'est ça par tous les éléments de A, ça contient toutes les matrices diagonales. Bon, j'imagine que ça doit être que de O ou E, hein. Pourquoi? Ah non, c'est attention, putain, faut que je bien énoncer moi. La sous-algèbre de M3 de C contient toutes les matrices diagonales. Et là, c'est des espaces vectoriels pas stables par toutes les par l'algèbre engendrée par A, par les éléments de A. C'est tout la même chose. Pas l'intérêt de la deuxième question. Je vois pas là, en quoi le petit B nous aide. Non, non, j'essaie d'utiliser encore, mais non, je vois vraiment pas comment on peut utiliser la petite B en fait, donc voilà.
Ouais, j'imagine que c'est ça, et que la conclusion de l'hypothèse, c'est que c'est important que ce soit une sous-algèbre. Parce que, d'accord, parce que si on juste prend A, ce n'est pas une sous-algèbre. Et parce que tous les éléments de A sont nilpotents, donc la sous-algèbre engendrée, on a toutes les matrices diagonales, une matrice diagonale n'est pas nilpotente. Enfin, si elle a un élément non nul, elle n'est pas nilpotente. Hein. Donc elle n'est pas égale à la sous-algèbre engendrée, donc c'est pas une sous-algèbre. Et donc du coup ça doit vérifier les hypothèses et pas la conclusion. Parce que évidemment que pas égal à L2, ah d'accord, déjà c'est pas une algèbre, on vient de le dire, donc c'est pas L2, ça contient pas toutes les matrices, et pourtant ça doit vérifier les hypothèses du théorème de Bernstein, c'est-à-dire que donc les seuls éléments stables par tous les éléments de A, c'est soit C3, soit juste 0. On démontre ça. Bon, alors, les vecteurs de dimension 1, ça si un vecteur de dimension 1, ça si un espace de dimension 1 est stable, c'est-à-dire que c'est un espace propre, donc c'est un vecteur de Ker de F. Ah, Ker de F, il est simple, la matrice est de rang 2, ça c'est. Enfin. Ouais, tout le temps. Dès que B est non nul, la matrice est de rang 2. Le déterminant extrait qui est ici, ouais, d'accord? Et si A est non nul, la matrice est de rang 2 à cause du déterminant qu'est. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci. La matrice nulle, ok, sinon la matrice est de rang 2, donc cet espace propre est de dimension 1, enfin, le noyau est de dimension 1, donc ça il n'y a pas de problème, et le noyau, bah du coup, c'est juste relativement évident, vous voyez, il faut trouver une combinaison linéaire entre les vecteurs colonnes, je vous rappelle, pour trouver un vecteur de noyau, et A fois celle-là plus B fois celle-là, ça fait 0, donc c'est vecteur A0, 1, A0B, le vecteur du noyau de L, c'est A0B, et pour que ce soit vrai pour tous les éléments là-dedans, bah, il faut que A0B soit collinéaire, quelles que soient les valeurs de A et B, ben ça se saurait, quoi, je veux dire. Hein. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'espace de dimension 1 qui soit stable par tous les éléments de A. Ça, d'accord. Ce qui est un peu pénible, ce que j'ai envie de regarder, c'est pourquoi il n'y en a pas de dimension 2. Mais peut-être c'est pas une bonne idée. Pas évident cette question petit c là. Quelqu'un l'a trouvé, non? Ce qu'ils l'ont fait. En fait, c'est dur, hein. Ouais, ça a l'air tout con comme ça, mais. Ok, il dit faut regarder des sous-espaces trop possibles avec deux couples AB et A'. Je ne comprends pas. Espace propre de un sous-espace stable de dimension 2, il n'y a pas de raison que les vecteurs soient des vecteurs propres. En tout cas, parce que typiquement, tu prends une rotation dans R3, ok, tu as un axe de rotation, une rotation dans R3, ok, et eh bien tu as l'espace qui bon, tu as un espace, un vecteur propre qui est l'axe de rotation, ok, ça on est d'accord, valeur propre 1, mais après, tu as l'espace orthogonal qui est un espace stable de dimension 2. Non, c'est pas fait de vecteur propre, il n'y a pas de vecteur propre quand tu prends la restriction de la rotation au plan de rotation, si tu veux. Aucun vecteur, toi, vu que ça tourne un certain angle, il n'y a aucun vecteur qui est collinéaire avec lui-même, n'empêche que l'espace de dimension 2 est stable. Par contre, vecte de AB, c'est égal à vecte de U2A, U2B, alors que U2A est libre avec A, U2B est libre avec B, mais l'espace de dimension 2 est globalement stable. Donc il n'y a pas d'histoire, enfin, je vois pas bien comment ramener ça à des vecteurs propres par cas, en fait.
Ah, c'est les tiennes blanches en fait, hein. Tu sais que tu m'avais acheté. Oui, je suis con parce que je vais te voir dans pas longtemps et je ferai que je te les amène en fait. Moi, j'irai en acheter d'autres. Hop. Bon, moi bah, je vois pas. Il y a une astuce, il y a un truc qui m'échappe. Je comprends pas ce que tu dis, Arc. Hein. Moi, ce que tu dis. C'est-à-dire, pourquoi quand tu veux chercher un espace stable de dimension plus grande que 1, il y a pas, il ne contient pas forcément de vecteur propre. C'est ça que je veux te dire. Le contre-exemple de la rotation, un espace stable de dimension 2 qui ne contient aucun vecteur propre. Hein. Donc, du coup, okay, si je regarde les espaces propres, j'ai lu, les vecteurs propres des communs, il n'y en a pas. Très bien, mais en quoi ça m'aide à me voir qu'il n'y a pas d'espace de dimension 2? Mais non, pas avec les complexes, bien sûr que non. Enfin, oui, alors tu prends des vecteurs, d'accord. Mais là, t'as pas de vecteur propre à coefficient réel, tu vois. D'un coup, il faut que tu changes, là. Prends tes valeurs propres complexes, tu changes d'espace vectoriel, tu vois. Tu prends des coordonnées complexes pour tes vecteurs et tout ça. C'est quand même compliqué, quoi. Oui, mais et alors? Alors, donc, ok. Je veux dire, ah bah, restriction à n'importe quel espace propre, il y a des valeurs propres, parce que c'est ok, un espace stable, donc il est aussi diagonalisable et machin, les trucs. On est bien d'accord, mais ok, parce que c'est dans les nombres complexes. Et alors? Comment tu fais ça? Vas-y. Comment tu fais une somme de deux espaces propres qui n'ont pas la même valeur propre? Et alors? Comment tu fais? T'as pas de valeur propre commun, c'est ok, ça je vais le démontrer, mais après? Il n'y a pas de somme de deux vecteurs propres à deux valeurs propres différentes, là, qu'il y ait une combinaison linéaire des deux qui soit commune à tout le monde, là. Comment tu fais pour démontrer ça? En plus, il n'y a qu'une seule valeur propre, là c'est zéro. Hein. En fait, c'est bien pire, tu vois, parce que je veux dire, ok, tu as un espace de dimension 1, espace propre, et dimension 2, là, pour le coup, il n'y a pas de sous-espace stable de dimension 2. Hein. Quoi, enfin. Ah ouais! Et oui! Sinon, elle serait diagonalisable. Enfin. Elle aurait une valeur, un vecteur propre là-dessus, puisqu'on est sur C. S'il y avait un espace stable de dimension 2 là-dessus, si elle laissait stable un espace de dimension 2. Alors non, il n'y a pas de supplémentaire de quart de F qui est stable. Là, pour le coup, il y a une contradiction. Un supplémentaire de quart de F de l'espace propre qui était stable, voilà, galère, parce que il tiendrait que la matrice est de rang 1. Donc, il n'y a pas de supplémentaire du noyau qui est stable. Et alors? Donc, si un espace est stable, il contient le noyau.
Comment je sais qu'il n'y a pas un vecteur dans le noyau plus un autre vecteur qui sont maison, qui font un espace vectoriel qui est stable par tout le monde? C'est quand même pas complètement évident. Bonne raison, hein. Si je me prends pas la tête pour un truc trop compliqué. Je me demande si je pourrais pas regarder les espaces stables de ça. Les espaces stables de ça. Et puis voir qu'il n'y en a pas en commun. Ouais, genre juste ces deux-là, par exemple. Après, c'est pas si évident que ça. Pas si évident que ça. Pas de tête, en fait. Les espaces stables, c'est pas si évident quand même, hein. Elle, comme espace propre, il y a vecte 2, 3, okay, qui est stable. Oh, okay, c'est bien. C'est montré qu'il n'y en a pas d'autres, par exemple. D'autres là, vecteur de 2 plus E3. Stable. L'image de E2, c'est E3. L'image de E3, c'est 0. L'espace engendré par les deux dernières lignes, c'est bien stable. Là, l'espace par les deux premières, c'est stable. C'est pas les mêmes. Donc, mais... Ouais, je sais pas. Ça, je sais pas. Il y a une astuce qui m'échappe. Alors, je vais pas passer là toute la nuit là-dessus. Alors, on va enchaîner un petit peu, regarder les questions qu'on aurait pu faire. En fait, celle-là, elle est traître. Hein. Allez, on va enchaîner un petit peu. Parce que là, je vois pas, en fait. Hein. Vas-y, Arca. Je... Sans doute que si, mais. Je vois pas. Ok. Allez, on appelle U ça. Et A la sous-algèbre de LQ3 engendrée par U. Et donc il y a toutes les puissances de cette matrice. Il y a tous les polynômes en cette matrice. A identité. Bref, il y en a une pelletée. Démontrer que X3 plus X plus 1 est irréductible dans P2X. Dans Q2X. Et. Alors ça, c'est pas irréductible dans Q de X, ça voudrait dire que degré 1 fois un polynôme de degré 2, donc il aurait une racine dans Q. Et donc il faut montrer qu'il n'y a pas de racine dans Q. Si je suppose que P sur Q est une racine, j'obtiens P cube sur P cube plus P sur Q, 1 égale 0, je multiplie tout par Q au cube.
Chose que ma fraction évidemment est irréductible et je p au cube. Q2p cube est égal à 0. Et donc ça, en mettant Q et je vois ça fait enfin, ou en mettant oui terme de l'autre côté, je vois que j'obtiens Q fois un truc est égal à P au cube. Donc Q divise P au cube est incompatible avec Q premier avec P. Donc voilà, donc il n'y a pas de racine dans Q, donc c'est irréductible. Je sais pas si ça a été, j'ai été trop vite ou pas. Vous pouvez poser des questions, mais. Oui, c'est ça. J'utilise la règle en général. C'est pareil ce que j'ai fait. Non, c'est pas si évident que c'est irréductible dans Z et irréductible dans Q, c'est pas toujours vrai ça. Ah si, attends, s'il est irréductible dans Z et irréductible dans Q, ben non, c'est faux. Pourquoi se faire qu'il peut avoir une racine dans Q et pas dans Z hein? Oui, d'accord. Oui, non mais d'accord, ça doit marcher. Oui, mais bon, bref, ce qu'on a fait, ça c'est fastoche. Alors ensuite, expliciter une base de A en fonction de U. En temps normal, sur tout le sujet, on parlerait un petit peu de ces histoires de contenu, tout ça, mais là, bon, voilà. Hop. Alors, donc, c'est quoi U? Ah oui, c'est ça. Donc, identité, non? Alors, t'as trouvé que. Hop, hop. 4 c'était égal à moins U moins U2, ça je te crois sur parole. Donc, autrement dit, t'as trouvé que U3 c'était. Non, que U3 plus U plus U entier, ça n'est pas 0? C'est ça le problème caractéristique là? Ça au cube plus. Pas 0. On va regarder, ça va pas être bien dur ça. Vu qu'il donne il balance le polynôme comme ça, moi j'ai bien envie d'essayer ça. Hein. Bon, on va regarder ce que ça fait moins identité. Allez. Hop, bim. Marche pas du tout. Mais celle-là au cube fait 0? Oui, donc. Celle-là, elle fait au cube, elle fait 0. Donc en fait. Ça fait 0, donc c'est vraiment pas une base. Hein. Je suis désolé, la blanchouille, là, t'as. Un peu peur. Ça doit être identité UU carré. Hein. Quoi, ce polynôme? Ça fait ça. J'ai pas réussi à faire d'identité. U carré et I.
Quel rapport entre le petit A et le petit B? T'avais pris de la. T'avais fumé la moquette là. Hein. U4 c'est 0, hein, donc ça peut pas faire ça. Ouais, mais Blanche, elle va vous payer un coup à tout le monde là cet été parce que elle va l'avoir, moi j'y crois. Mais bon, là t'avais, ouais, là t'avais pété un câble. Donc ça c'est clair, l'hypothèse c'est que c'était vrai sur C, ça doit être pas vrai sur Q. Quel rapport entre ce polynôme et ça? Ah putain! Je suis con. Autant pour moi, Blanchouille. Autant pour moi. C'est pas du tout la matrice de tout à l'heure. Pas lire l'énoncé. Putain, je vous l'ai dit, bien lire l'énoncé, quoi. Toi qui as raison, Blanchouille. Laisse tomber, c'est moi qui suis. Je retire tout ce que j'ai dit platement. J'ai honte. Sûr, tu as raison que ça fait moins identité. Vous avez raison, ma chérie. Enfin, presque. Pas le U en facteur. U au cube plus U plus identité, ça fait. Profite, ma chérie. Bon, alors. C'est dommage que tu sois allé au rang 4 parce que t'avais juste U au cube plus U plus identité qui est égal à 0. C'est dommage. Mais c'est bien. Donc, pouf, pouf. Donc, la sous-algèbre de L3 polynôme en U. Comme tu trouves qu'à partir de U3, et on peut remplacer. Donc une base, c'est 1 UU2. Pas si loin que ça. T'auras 0 à la question. Mais bon. C'est dommage, c'est dommage. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui t'a foutu. C'était pas loin quand même. Ça fera bonne impression par rapport à ceux qui ont rien foutu. Alors, montrer que A est un corps, et bien du coup, A est isomorphe à Q de X quotienté par X cube plus X plus 1, qui est un polynôme réductible, donc c'est un corps. Pas la rédaction propre, mais c'est ça l'idée, hein, parce que ce qu'on vient de dire, vous voyez, comme X au cube est égal à Q au cube égale moins U moins identité, en fait, A est isomorphe au quotient de K de X, enfin de Q de X sur X3 plus X plus 1, donc c'est un corps, parce que ça, c'est un polynôme irréductible. Donc les sous-espaces de Q3 c'est apparu, je sens que je vais encore me galérer pour le démontrer, mais il n'y a que 0 et il n'y a que truc, c'est sûr. Et l'hypothèse, c'est faut que ce soit dans C et pas dans Q. Alors maintenant ça je ne sais pas encore expliquer pourquoi. Pourquoi il n'y a pas d'espace stable partout? Pas de valeur propre, hein, donc il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'espace propre de dimension 1.
R, bien évidemment, parce que ce polynôme a une racine réelle. Hein, et il n'y en a pas dans Q. Il n'y a pas d'espace dimension 1 stable par U, donc pas par tous les tout premiers. Ah, tu bois une trip spéciale comme moi? Trop bien. Moi aussi, j'ai fini. De la chance quand même, t'es privilégié, Blanche, que t'arrives à dire des trucs qui sont pas des maths et tu te fais pas ban direct. pourquoi? Qui c'est qui voit? C'est chiant cette question en fait, je suis pas très doué. Hein. Quelqu'un voit pourquoi les sous-espaces stables par U, s'il n'y en a pas? Y a peut-être une histoire arca que je vois pas avec les espaces propres. Hein, mais... Dimension 1, je vois bien, mais de dimension 2, pourquoi? L'espace stable de dimension 1, c'est des espaces propres, il n'y a pas de valeur propre, donc il n'y a pas d'espace propre. Ok, ça je vois bien. Mais pourquoi il n'y en a pas de dimension 2, les espaces stables par ça là? J'arrive pas trop hein, à voir. Question 12B, c'est pas les mêmes matrices. Regarde, c'est pas les mêmes. Il n'y a pas de valeur propre. Question je organisée, il n'y a pas de valeur propre. Sérieux, j'ai les gens là. Oui, ça tombe bien que ça. Alors, Tobias, c'est bien emmerdant parce que déjà j'y arrivais. C'est un peu le truc qui me posait problème à la question d'avant et tu me dis ouais, c'est pareil. Bah ouais, super, merci, tu m'aides vachement. Il y a un truc qui m'échappe. Ça m'énerve. Non, c'est ça. Hein. Faut démontrer que c'est soit 0, soit Q3. Bah, 0, c'est le cas. 0, il est bien stable par tous les éléments. Hein. Même pas, c'est même pas tous les éléments de l'algèbre, on juste par U, il demande. Comment on trouve les espaces stables par une matrice? Comment on trouve ça? C'est quoi la méthode? Qu'est-ce que c'est qu'un espace stable par... Ok, R de P de U pour n'importe quel polynôme. Bon. LT. Je suis sûr qu'il n'y en ait pas d'autres. Il y a pas mal à tester. Là, il faut pas faire un bluff. Hein. Pas de difficulté, moi ça me plairait pas de voir quelqu'un qui dise bon, les sous-espaces stables de Q3 stable par U, c'est évidemment vecteur nul et C3. Et donc on voit que pour l'hypothèse théorème de Fibonacci, il est essentiel d'être dans C. Moi, ça, je vous avoue qu'en tant que correcteur, ça m'énerverait. C'est-à-dire qu'une question que j'arrive pas à faire, le mec il dit c'est évident, je dis vas-y, bah viens, tiens, allez, on va rigoler 2 secondes, je vais me faire la preuve. Si c'est évident, ça se démonte, mon gars.
Ouais, mais c'est, je suis d'accord, Manuel, mais vas-y, comment tu fais ça, quoi? Toi, t'as plein d'inconnus, là, tu prends 6 inconnus, là. Une idée comme ça, juste pour voir. Qu'est-ce que ça fait? Si un espace est stable par U, il est stable par U au carré. Et donc par U au cube. Merci Blanche de faire ma pub pour mon livre, c'est très gentil. Mais bon, franchement, voilà quoi. Achetez-le si vous avez envie de le bosser, mais achetez-le pas pour me faire plaisir parce que, enfin, vous voyez, si vous voulez me filer 2 euros, allez me les filer directement sur Tipeee, ça ira plus vite. Hein. Pas la peine de vous embêter à acheter le bouquin, oui. Pas envie de le lire. Hein. Me filer des sous, il y a moyen. Hein. Hop. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui sont là, qui me filent des sous sur Tipeee. Franchement, il faut que je vous remercie. C'est super sympa. Alors, donc, bof, un espace propre par ça, bon, c'est pas terrible non plus. Stable par U, c'est stable par U au carré, mais c'est pas d'espace stable flagrant. Là, je les vois pas. En même temps, on veut démontrer qu'il n'y en a pas. Hein. Donc, c'est pas tellement non plus étonnant. Trouver des. Pas vert, en fait. Ok, il n'y a pas de dimension. Hein. Qui doit m'échapper. Non, un espace stable, je suis d'accord. Son polynôme caractéristique. Du polynôme du début. C'est bon, Arca. Arca, je t'aime, tu es fantastique. Ça, c'est ça, voilà. Bravo, Arca, putain, mais c'est évident. Ah. C'est évident parce qu'on est sur une matrice de dimension 3. Sinon, c'est faux en fait. Hein. J'ai en train de me dire si on a un espace stable, pas clair du tout que le polynôme caractéristique de la. Si en fait, si. Le polynôme caractéristique est toujours un diviseur parce qu'en fait, elle va être diagonale par bloc. Il n'y a pas besoin qu'elle soit stable, que le gain supplémentaire stable, même si c'est diagonale par bloc, le déterminant c'est ça. Donc en fait, si on a si on a, oui, allez, maintenant, je le vois, il est maintenant. Donc si on prend un espace stable par U, on prend les premiers vecteurs de cet espace-là, on calcule la matrice de U par rapport à une base de ça, on obtient une matrice où au début, hop, il y a une matrice, il y a des zéros en dessous, puis après, on va considérer deux blocs de matrice, la matrice de même taille que celui-là à côté, enfin, de même hauteur en tout cas, et puis un bloc là, et le déterminant, c'est le produit déterminant de ça et ça, autant le polynôme caractéristique de la matrice, c'est le polynôme caractéristique
la matrice de la restriction au C-espace stable fois l'autre. Et donc le premium caractéristique de ça, c'est un diviseur de ça. Et donc s'il n'y en a pas, ben, il n'y a pas d'espace stable. Et comme là, il n'y a pas de diviseur de ça, il n'y a pas de sous-espace stable dimension inférieure. C'est trop con. Et ça marchait bien aussi pour le truc nilpotent, le polynôme. Donc s'il y a un espace stable de dimension 2, le polynôme caractéristique de ça, vu que le polynôme minimal, de toute façon, là, même pas, c'est x puissance quelque chose, x cubé, égale 0, donc polynôme minimal, c'est ça. Et donc, même c'est égal au polynôme caractéristique, mais enfin, on s'en fout. Bref, s'il y a un espace de dimension 2 qui est stable, son polynôme caractéristique, c'est forcément x2. Donc, il y a forcément un vecteur propre associé à la valeur propre 0 dedans. Et donc, ça déconne ça. Un vecteur dans le noyau qui est dans cet espace de dimension 2, et alors pourquoi ça déconne? J'arrive pas à voir. C'est pas si clair, hein. Car si je prends un élément de Ker de F et un élément qui est dans Ker de F2. Il existe, hein. Et bien son image est dans Ker de F2, son image est dans Ker de F. Celui Ker de F c'est 0, donc c'est bien inclus, l'image de lui est bien inclus dans lui, donc ça a bien l'air d'être un espace stable quand même. Ah, sauf qu'il n'y a pas. Oui. Oui, mais sauf que soit fait Ker de F2, voilà, mais pour toutes les matrices, machin. Là, c'est pour stable par tous les éléments de A, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, si j'en prends qu'un seul, il y a des espaces de dimension 2 qui sont stables par lui. La question, c'est que c'était montré que c'était. Il y en a un qui est commun à tous. Ça, ça doit pas. Ça, c'est ça. Ouais, bon, j'ai toujours pas compris pour ça. Mais j'ai compris pour ça. Donc, merci Arca pour celui-là. Là, vous avez suivi, hein, s'il y avait un espace vectoriel de dimension inférieure à 3 qui était stable, ben ce serait un diviseur, le polynôme caractéristique serait un diviseur de ça dans Q. Et il n'y en a pas. Donc c'est pas possible. Mais ça ne me donne pas la solution à la question d'avant, hein, quand même. Pour la 12, je ne vois pas, hein, Arcade, je vois pas, mais pour celle-là, ouais, ok. Bon, partie 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a des trucs sympas dans la partie 4? Soit UN2, c'est le groupe unitaire, donc ça, c'est des matrices telles que M, telles que M-1 égale à M étoile, transposé de M à B. Hop, si X, Y sont des vecteurs de norme valant 1, il existe un U tel que U de X égale Y. Bah, pareil, ça conserve la norme, hein, bien évidemment. Y sont pas de même norme, c'est pas possible que U de X. Norme de X, c'est norme de Y. Donc, ben, en fait, donc je sais pas ça. Bon, deux bases orthonormées de C puissance n, une commence par x, une commence par y, et puis je prends la matrice de changement de base de l'un à l'autre, enfin, de la deuxième à la première. Je trouve que u de x est égal à y. Si je prends la matrice de passage de la base commençant par y à la base commençant par x, j'obtiens u de x égale y, quoi.
Et c'est une base, un changement de base entre deux bases orthonormées, c'est une matrice unitaire. Je ne sais pas si je suis allé trop vite ou pas, vous voyez, je prends hein, une base orthonormée commence par x, une base orthonormée commence par y. Pour la matrice de changement de base de la celle commence par y à celle commence par x. Et donc on a les formules dans les nouvelles, vous savez bien, les nouvelles coordonnées dans les anciennes, etc. U de x égale y, c'est fait pour. Alors attends, si U est un espace stable de dimension 2, garde la restriction V sur E au node Q sont même que la caractéristique Q de V égale 0. E est inclus dans K de Q de V. Q divise le polynôme caractéristique de U qui est réductible. Je ne comprends pas ton passage Q de V égale 0, donc E inclus dans K de Q de V, donc Q divise le polynôme. Ça, je comprends pas bien. Tu peux le dire directement, en fait, hein, que Q divise le polynôme caractéristique, avec le raisonnement que je t'ai dit avec les matrices diagonales par bloc, là. Donc, pour U, c'est bon. Tu me dis pour la petite C, là, t'as une astuce avec le théorème de Kell-Hamilton? Je le vois pas, mais. Pour chaque matrice, il y en a des espaces de dimension 2 qui sont stables. Hein. Jamais les mêmes pour toutes, quoi, tu vois. Ensuite, sous-espace vectoriel engendré par un de C et mn de C tout entier, on va utiliser la question 4a des préliminaires que j'ai oublié. Ah oui, et Gn est un sous-groupe de Gn de K, inversible. Les matrices unitaires sont inversibles, donc tout va bien. Convexe de tout ça. Vectoriel de mn de c engendré par un de c, c'est pareil que l'algèbre engendré par un de c. On a dit dans la question 4a. Donc on utilise le théorème de Bernstein. Parce que s'il existait un espace stable par tous les éléments de un de c, c'est contradictoire avec ce qu'il y a là. Je prends cet espace f là, d'accord, et puis je prends x qui est dans f et y qui n'est pas dans f, et ben, il existe un unitaire u, tel que u de x égale y, et donc u de f n'est pas stable. Donc l'espace est un espace qui n'est pas stable. D'accord, sauf si je prends ben, 0, ok, ou tout l'espace, évidemment, là ça va marcher. Sinon, il y a un truc, donc j'utilise le théorème de Bernstein qui dit que tout sous-algèbre qui est. Déjà, j'utilise le 4a pour dire que l'espace vectoriel engendré par un de c, c'est pareil que la sous-algèbre engendrée par un de c. Et ensuite, j'utilise le fait qu'il n'y a pas de sous-espace, que c'est une sous-algèbre irréductible, donc que c'est mn de c tout entier. C'est le théorème de Burnside. Ça, c'était pas trop dur. Bon, si c'est borné pour une norme, c'est borné pour toute norme, puisque toutes les normes sont équivalentes sur un espace de dimension finie. J'avance un petit peu vite fait pour voir les questions qu'on pouvait faire. J'aurais bien...
Non, je n'avais pas fait cette question il n'y a pas longtemps, là. Quelqu'un m'a posé cette question il n'y a pas longtemps. C'est toi ou pas? La question petit a là. Hein, c'est comme solver propre, c'est seulement si j'ai mon identité et nilpotent. Quelqu'un m'a posé cette question il n'y a pas très longtemps. Peut-être pas toi. Bon, bah, de toute façon, c'est assez évident parce que s'il y a un c'est la seule valeur propre, donc il y a un seul espace caractéristique. La valeur, le caractéristique, on est sur C, hein, c'est x-1 puissance n. Ça peut être une latéur, x moins identité, enfin g moins identité à la puissance n, c'est 0. Ça, c'est nilpotent. Il n'y avait que 1 comme valeur propre, c'est nilpotent. Et si ça, c'est nilpotent, eh ben, ça veut dire que sa seule valeur propre, c'est 0. Et donc, si j'ajoute identité. Et donc, ok. Ah voilà, matrice magique. Où on peut trouver le sujet? Bonne question. Je sais pas. Moi, Blanche me l'a envoyé. C'est son truc. Je ne sais pas. Il devait peut-être. Je sais pas s'il est sur Internet quelque part. Si sur Discord, quelqu'un a balancé un lien. Je l'ai perdu. En fait, tu l'avais pas mis dans les documents, Tom. Là, je sais pas si t'es encore là, Tom. Mais j'ai regardé tout à l'heure, c'était pas mis le sujet quelque part dans le truc document, et donc là il est perdu dans le fil de discussion. J'ai tapé sujet à Greg pour voir si je retrouvais le lien, je l'ai pas retrouvé. Mais si... je sais pas si Tom est encore là. Si t'es encore là, tu peut-être toi qui es le dieu de Discord, t'as pas retrouvé. Je sais qu'il y avait un lien pour ce sujet-là, quelqu'un l'avait trouvé sur Internet. Mais j'ai cherché tout à l'heure, là, avant de démarrer, j'ai pas retrouvé. Ok. Donc, on va utiliser le théorème de Burnside pour relier entre l'espace des matrices magiques et le sous-espace généré par les matrices de permutation. Pas fantastique, ça, quand même. Donc, une matrice magique, au début, je me suis fait avoir. Moi, je veux dire, c'est juste les coefficients par ligne et par colonne et constantes, pas par diagonale. Pas une vraie matrice magique, c'est abusé, quand même. Donc, voilà. Et on aime l'ensemble des matrices magiques de M n de C. C'est clairement un sous-espace vectoriel de M n de C, mais on demande juste par ligne et par colonne, quoi. Donc, c'est très décevant. Pas la diagonale. Et je lui disais, sinon ça juste marque, ça marche pas, parce qu'une matrice de permutation par diagonale, il n'y a aucune raison que oui, que ça fasse. C'est la même chose, ça peut être de traces nulles, les matrices de permutation, hein, si c'est une permutation circulaire, tout ça. Alors que la somme des lignes et des colonnes fait toujours 1. Bref, donc ça marche pas, il n'y a vraiment que les lignes. Matrice de permutation. A de i, c'est e de sigma i, donc on reproduit, hein, permutation, l'image de 1 c'est 3, et ben du coup, P de 1 c'est E3, vous voyez, donc hop, on met les 1 dans les différentes cases, donc en fait, matrice de permutation, c'est facile, il n'y a que les 0, il y a un 1 dans chaque case, et pour chaque colonne, il y a un 1 sur une certaine ligne, et jamais deux fois dans la même ligne, donc vous remplissez ça comme vous voulez, des 1, jamais deux fois dans la même ligne, vous obtenez matrice de permutation. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, Khalid? Pourquoi on vole mes idées? T'as dit? Ok, très bien, je suis désolé si j'ai volé ton idée. Alors, soit D est la droite dirigée par le vecteur E1 plus E2 plus EN et H, les paires plans du quotient égale 0. Ça, oui, par exemple, pour une matrice de permutation, ça va être un espace stable. Permutation, juste, ça fait une permutation des vecteurs. Donc la somme de tous les vecteurs, ça reste la même. Bon, bref. Et ça, c'est l'hyperplomb perpendiculaire à ça, vous voyez, hein? C'est les vecteurs de que 5, 2, xn qui sont orthogonaux à 1, 1, 1, 1, 1, vous voyez, quand on fait le poids du scalaire, hein? x1 fois 1 plus x2 fois 1. Là, géométriquement, vous voyez, il y a un vecteur et il y a l'espace orthogonal. Bon, ok. Alors, pour i allant de 1 à n, on appelle fi, quelle matrice associe la somme des quotients de la ligne i, et la somme de la colonne i. Pour la petite c de la question machin, on n'a toujours pas trouvé d'argument. Moi, j'ai toujours pas d'argument pour démontrer. Là, j'ai pas compris comment on faisait pour démontrer la 12 c.
Pas d'argument qui me parle, en fait, qui me convainc pour la 12C. Peut-être vous avez trouvé un truc, mais j'ai pas. Hop. Tobias, t'as mis les sujets sur le Discord? Ouais, non, mais d'accord, mais c'est sympa, mais c'est pour ceux qui sont pas. Non, mais ta réponse, ça me convainc pas, hein, Khalid. Moi, j'y crois pas. Ce que tu as écrit, je vois pas pourquoi ça prouve quoi que ce soit. Ah bah voilà, t'as mis un lien. Que vous le voyez les autres là? Attends, le lien que t'as mis, il n'y a pas de. Et là? Oui, Khalid, le problème, c'est que tu dis que si y a un espace stable de dimension par 2, on regarde la restriction AV sur E, on note son premier caractéristique, Q devait égale 0, ok. Là, tout va bien. Et donc, Q divise le premier caractéristique de U, qui est irréductible. Mais ça, c'est pour le. Il n'est pas irréductible, le premier caractéristique de U dans la 12C. Hein. C'est x au cube. X au cube, c'est pas du tout irréductible, tu vois. Donc, je vois pas où est le problème. Donc, je vois pas là où est la contradiction, en fait. C'est juste ça, quoi. Autant pour la question 13, le polynôme minimal est irréductible là. Ok, pour la 13, ça va bien. Mais pour la 12, ça va pas du tout. Alors, Tobias, t'as retrouvé les liens là, pour les sujets? Non, toujours pas, hein? Toujours pas. La même chose. Alors ensuite, je regarde vite fait. Non, mais ok, pour la 13, on est d'accord, mais pour la 12, toujours pas. Alors. Trivial, elle a marqué Blanchouille là. Donc on appelle FIJ les formulaires qui somme des quotients de la ligne I. Démontrer que la famille F1, FN, G1, GN est liée. Bah oui, la somme de tous les F1, FN, c'est la somme de tous les quotients de la matrice. Et donc, c'est égal à la somme de tous les G1, GN. Donc F1 plus F2 plus FN moins G1 moins G2 moins GN, ça fait l'application nulle. GN famille liée, trivial. Par contre, F1, FN, GN moins 1 est libre. Pas complètement évident. Bon après, si ça va pas être très dur. Si on l'applique aux matrices de la base EIK, bon, déjà, si on suppose qu'il y a une combinaison linéaire entre tout ça, on va trouver vite que avec. Alors attends même pas, je vais prendre EIN en fait. Chose qui est sur la dernière. Colonne. Pour une combinaison linéaire de ça, faut que je démontre que tous les quotients valent 0. Donc voilà, si je l'applique à ENN, je vois que ça fait toujours 0 sauf FN, donc le coefficient devant FN vaut 0. Ok. Non, question 17, moi je suis là. Évident, mais comment je démonte ça?
Oui, en fait, c'est pas très dur. Hein. Je prends, suppose qu'il y a une combinaison linéaire de ça. Et je vais trouver, par exemple, je mets des coefficients. Colonne qui. Les lignes qui sont nulles sauf une. Et celle qui n'est pas nulle, je prends que la somme de ces coefficients fait 0. Et donc, j'obtiens que la somme. Et cette matrice, là, sera tout le temps 0. C'est libre. Ah oui, alors voilà. Donc je la prends, je prends par exemple d'accord, je prends toutes les lignes, toute la somme de toutes les lignes fait 0. Et il en reste qu'un là. Voilà, et là, alors donc je prends les n-1 premières lignes qui font 0. C'est ça. Et la dernière ligne, je prends deux coefficients. 1 quelque part et moins 1 au rang n. D'accord? Et du coup, j'obtiens que si j'ai une combinaison linéaire avec ça, bim, le coefficient devant GK, il dégage. Que quand je vais remplacer et appliquer cette matrice-là, il n'y a que GK. La colonne K qui fera une somme non nulle. La colonne N n'est pas là. Il n'y aura que le coefficient GK. Et donc ça prouve que le coefficient GK vaut 0. Et ça pour tout le G1, G2, GN. Et donc c'est facile. Et puis alors après, libre, ça. Somme d'une ligne, bon, ça. Et voilà des matrices où la somme de toutes les lignes fait 0. Une. Ça dégage les coefficients. Pas grave, il faut que je prenne toutes les lignes égales à 0 sauf une, et bah bim, je trouve qu'à chaque fois le coefficient devant lui, enfin dont la somme fait pas 0, le coefficient devant les fn sera nul, et puis finalement tout ça sera une famille libre. C'est vrai que c'est un peu chiant à écrire. Alors, déterminer la dimension de l'espace M0, former des matrices dont la somme des éléments de chaque ligne et de chaque colonne vaut 0. Donc à chaque fois, en fait, c'est. En fait, ils vont choisir la matrice n-1, n-1 n'importe comment, et on pourra compléter la dernière ligne et la dernière colonne pour faire en sorte que la somme de toutes les lignes et toutes les colonnes fasse 0. Par contre, non, ça risque de merder pour le dernier coefficient. Je vais pas réussir à faire en sorte que les. Ah, bah si, parce que la somme de tous les coefficients. Donc, je répète ce que j'ai dit, je ne sais pas si vous voyez le truc. Ça, c'est. Pense que c'est. Ouais, c'est n-1, c'est n-1 au carré. Hein. Que si je prends la matrice extraite n-1, n-1, là, je la prends comme je veux, et je vais réussir à compléter la dernière ligne et la dernière colonne pour que la somme de toutes les lignes et toutes les colonnes fasse 0. Pourquoi? C'est pas évident. Donc, déjà, je mets ce qu'il y a en bas, tout, à chaque fois, je mets moins la somme des n-1 premiers termes. En dessous. Donc la somme des n-1 premières colonnes fait 0. Okay. Ensuite, la dernière colonne, on ne sait pas. Ensuite, là, chaque ligne, je la complète en faisant moins la somme des n-1 premiers termes. Donc la somme des n-1 premières lignes fait 0. Okay. La dernière ligne, on ne sait pas. Bon, maintenant, bah, par exemple, je vais prendre le coefficient ici. Donc la dernière ligne, elle est faite. Telle que la somme de la dernière ligne fait 0. Alors automatiquement, la somme de la dernière colonne fait 0. Ah! Pourquoi si je fais pour que ça marche pour la dernière ligne, qui a l'air d'être n'importe quoi, ça marchait pour la dernière colonne? Parce qu'en fait, si ça marche pour la dernière ligne, ça veut dire que la somme de toutes les lignes fait 0. Chaque ligne fait 0 et la dernière aussi. Et du coup, la somme de tous les coefficients de la matrice fait 0. Et comme je sais que déjà que la somme des n-1 première colonne fait 0, bah du coup, la somme de la n-ième dernière colonne fait aussi 0. Je peux choisir comme je veux la matrice extraite n-1, n-1, et hop, il y a une façon de rendre tous les trucs ça, et donc cette dimension n-1 au carré. Rigolo! Ah, mon micro bug si je parle pas assez, zut. Attendez, c'est peut-être parce que j'ai mis le. Je parle pas.
pas assez fort. Donc je vais baisser un peu le filtre là. Ça marchera mieux même si je parle moins fort. Ok, il faut que je règle ça, je suis désolé. Ça doit marcher mieux là maintenant, j'imagine. J'avais mis tout à l'heure parce qu'il y avait du bruit dans la maison, mais je pourrais essayer de le rapprocher aussi un petit peu. Ok. Manuel, pour la 12C, si tu prends vecte 1, 0, 1, 0, 1, 0, c'est stable pour toutes les matrices? Non, parce qu'il faut trouver à toutes les matrices de A. Alors attends, je regarde. Non, ça m'a l'air faux, ça, garçon. Attends, quoi que je sais pas, en fait, si. Ah non, mais c'est pas vrai. Là, regarde juste l'image de 010. L'image de 010, l'image du vecteur E2, Emmanuel, eh bien c'est bien c'est ce vecteur-là, c'est A0B. Eh bien si B est différent de A, A0B il n'est pas dedans. Hein. Il n'est pas dans vecte de ce que tu dis. Vecte de 10 10 10, ça veut dire que le premier et la dernière coordonnée sont les mêmes. Hein. Ben, l'image de 010, c'est ça. Eh bien les premiers et derniers ne sont pas les mêmes. Si A est différent de B, ça marche juste pas, quoi. C'est bien essayé. On est déjà minuit 5, je vais pas passer 3 heures. Hein. Mais là, il y avait des points, voilà, là, il y avait des points relativement faciles à récupérer. Et donc la dimension de M, bah, c'est facile parce que, enfin c'est facile entre guillemets, c'est la somme de lignes et toutes les colonnes vaut toujours quelque chose, vaut toujours la même chose K. Et ben je retire K à tous les termes de la matrice et j'obtiens une matrice dont la somme des colonnes fait. Non, alors c'est pas ça. Je retire K sur N à tous les éléments de la valeur, partout, à tous les éléments de la matrice, je retire K sur N. Et du coup, quand je fais la somme, ben, donc ça fait bien 0. Et donc, c'est engendré par la matrice avec des 1 partout. Matrice, donc, la matrice de M, c'est dans vecte des matrices dont la somme fait des 0 plus la matrice qui a des 1 partout. Et donc, c'est dimension M, n carré, n moins 1 au carré plus 1. Et. Puisque l'espace vecteur engendré par la matrice de permutation est inclus dans M, bah, ça c'est juste évident, quoi. Un sous-espace vectoriel M et que chaque matrice de P sigma est inclus dans M. Et donc, bah, du coup, les combinaisons linéaires d'éléments de P sigma sont inclus dans M, puisque M est un espace vectoriel. Et chaque P sigma est inclus dans M, c'est évident, parce que la somme des lignes et des colonnes pour chaque P sigma, c'est 1. Tout le temps la même. Ok? Il y a 1, 1 par. Alors, M appartient à M si et seulement si H et D sont stables par M. Ah, ça c'est rigolo. C'est une matrice magique si et seulement si ces deux espaces-là sont stables, dis donc. Donc lui est stable, c'est-à-dire que c'est un vecteur propre. Hein. Ça veut dire que l'image de lui, eh ben, c'est le vecteur qu'obtenu en faisant la somme de toutes les colonnes de la matrice. Hein, c'est collinéaire à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc autrement dit, ça veut dire que. Et les sommes de toutes les colonnes. C'est un multiple de 1, 1, 1, autrement dit c'est lambda, 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 ça veut dire que la somme de toutes les lignes est égale à lambda. Ça veut dire que toutes les lignes sont. La somme de toutes les lignes sont les mêmes. Et
Ça, j'imagine que ça veut dire que la somme de toutes les colonnes sont les mêmes. Après, il faut voir que c'est le même lambda, mais... Alors, ça, c'est quoi, déjà? Si ça, c'est stable... Une question urgente. Si on calcule le sous-espace qu'on trouve un vecteur nul, s'il n'y a que ça comme sous-espace stable, ben donc, enfin, il n'y a pas forcément que ça, il y a aussi ces trois, ben à ce moment-là, on dira que c'est irréductible et ce sera bien. Arca, la puissance 2 est dans le noyau, mais ça veut pas dire qu'elle est dans le vecteur de x à 2x, hein. Donc c'est pas clair que x à 2x soit un espace stable, quoi, tu vois. Alors qu'est-ce que ça veut dire que cet espace-là est stable? Juste... C'est sympa, ça, c'est une question qui est rigolote, hein, géométriquement, oui. Dire qu'un vecteur est stable, c'est-à-dire que c'est un vecteur propre, d'accord? Donc l'image de lui, c'est un multiple de lui. C'est-à-dire que la matrice fois 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 égale un multiple de 1, 1, 1, 1, 1. Or, il faut bien se comprendre que la matrice fois 1, 1, 1, 1, 1, ça veut dire le petit résultat obtenu, c'est la somme de toutes les colonnes. Donc la somme de toutes les colonnes, c'est lambda, 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 et les coefficients de la somme des colonnes, bah, c'est la somme des lignes, hein, à chaque fois. Donc la somme des lignes est toujours la même si ça c'est stable. Maintenant, cet hyperplan-là, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est le noyau de l'équation, c'est le noyau de la forme linéaire qui associe à x1 plus x2 plus xn, qui associe donc. La somme des coordonnées d'un vecteur, eh bien, l'image de F est... Si je prends un vecteur qui est là-dedans, son image est là-dedans. Ah voilà. Donc... Très bien. Donc si je prends par exemple, j'ai compris, le vecteur 1 moins 1 0 0 0 0 0 0, il est là-dedans, son image est là-dedans. Et son image c'est quoi? Bah, c'est l'image de vecteur de la base canonique E1 moins la base canonique E2. D'accord? Hein? Vecteur coordonnée 1 moins 1 et que des 0. Autrement dit, c'est E1 moins E2. Bon bah l'image de E1 moins E2, ça doit être là-dedans. Okay? Or l'image de E1 moins 2, c'est l'image de E1 moins l'image de E2. Autrement dit, c'est la différence entre les deux premières colonnes. Ok? Et la différence entre les deux premières colonnes, ça doit être là-dedans. Autrement dit, la somme des coefficients de la différence des deux premières colonnes fait 0. Mais la somme des différences, c'est pareil que la somme du premier moins la somme du second. Donc la somme de la première colonne moins la somme de la deuxième colonne, ça fait 0. Et donc les deux premières colonnes sont égales. Vous voyez? Puis après, je fais avec x1. 1, 0, moins 1 et que des 0, la première et la troisième ont la même somme, et ainsi de suite. Donc le fait que ça soit stable, ça me démontre que chaque colonne a la même somme. Je vais me dire, oui, mais alors pourquoi la même? Parce que si chaque ligne a la même somme et chaque colonne a la même somme, pourquoi c'est la même? Parce que la somme du coup de tous les coefficients, ça fait n fois la somme des colonnes et ça fait aussi n fois la somme des lignes. Et donc, comme la somme de tous les coefficients c'est la même, évidemment, et bien ça veut dire que c'est forcément la même. Et donc ça c'est une jolie question. Hein, je vais un peu vite, mais ça c'est une jolie question là. Et une matrice magique, c'est seulement si ces deux espaces-là sont stables en fait. Comme en plus ils sont supplémentaires et tout, donc vous voyez, c'est sympa. Ça veut dire qu'il y a une base, matrice magique, on peut clac, clac, clac. Hop. Démontrer que les seuls espaces stables par tous les isomorphismes P sigma, quand sigma parcourt la permutation n, sont 0, la droite D, l'hyperplan H et C puissance n. Alors, donc par toutes les matrices de permutation, ça veut dire que vous voyez, les vecteurs de U sont évenables. Donc effectivement, si je prends la somme des E1, EN, c'est bien stable. Mais maintenant, si je prends un vecteur propre, un vecteur stable par ça, pas d'autre choix. C'est-à-dire si je prends somme des alpha i EI qui est stable, ça veut dire ça fait le résultat, c'est somme des alpha i E de sigma i. D'accord? Et donc, à quelles conditions c'est égal à ça? Ben, c'est que à chaque fois
Donc l'image de E sigma i, c'est alpha sigma de i. Ça doit être égal à alpha de i. Et alors, mais du coup, il y en a quand même. Parce que si je prends par exemple la permutation de transposition qui change E1 et E2, bah forcément, qui change pas les matrices, les vecteurs 3, 4, 5 et machin, bah forcément, ceux-là, c'est les vecteurs propres. Donc, mais par contre, c'est pas pour toutes les permutations. Donc, il y a un vecteur qui est stable par toutes les permutations. Comment il peut être foutu, celui-là? Pourquoi c'est forcément lui, quoi? Ah oui, bah c'est ça en fait. C'est ça. L'image de lui, donc, si je prends une combinaison linéaire somme des alpha i ei, l'image c'est somme des alpha i e de sigma de i. D'accord? Pour que ce soit égal à ça au début, eh bien, il faut bien que alpha de sigma moins 1 de i soit égal à alpha i pour toutes les permutations sigma. Et donc, bah, pour toute permutation sigma, alpha de sigma i moins 1, ça va pas. Sigma i, ça va parcourir tous les indices. Donc, il faut que tous les alpha i soient égaux. Tous les coefficients doivent être égaux. Et donc, c'est bien un multiple de ça. Donc, il n'y a pas de droite à laisser invariante par toutes les permutations. Ça, je suis d'accord. Et donc, maintenant, si on prend un sous-espace non inclus dans D, il faut montrer que ça déconne. Je ne sais pas pourquoi. Donc, une droite, c'est faite. Il n'y en a pas d'autre que celle-là. Et ensuite, un sous-espace non inclus dans D. Pourquoi c'est pas possible? Ouais, je vois pas du tout, il faut réfléchir un peu. Hop, j'avance un peu hein, parce que il est tard. Ah oui, H c'est l'hyperplan machin, ok. Ça, je vois pas du tout, ça a l'air compliqué. En fait, qu'il faille utiliser le théorème de Bernstein, a priori, je vois pas du tout d'où ça sort, donc pas très simple. Ouais, non, ça je vois pas du tout. En fait, il faut l'appliquer quand même à H, quoi. Va falloir démontrer que toute application de ça. Donc là, notre algèbre engendrée dans H, il n'y a pas de sous-espace invariant à part 0 et H complet. Donc je vois comment on pourra appliquer Burnside. Et du coup, la sous-algèbre engendrée, enfin le vecte de tous ces trucs-là, ça va être du coup la sous-algèbre engendrée par ça. Et comme il n'y a pas de sous-espace invariant dans H commun à tout le monde, c'est que c'est irréductible. Et donc que la sous-algèbre engendrée, c'est tous les endomorphismes de F. Donc en fait, si ça va se voir, ça va pas être très dur en fait en utilisant Burnside. Tiens, l'endomorphisme dont la matrice, tous les coefficients valent 1, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est celui qui permet de passer de M0 à M. Et donc voilà, donc on prend la restriction à H, c'est une formule comme ça. Et donc ça c'est les éléments de M0, là, et puis hop, on rajoute les coefficients M et hop, de n'importe quelle. D'accord, ok, donc n'importe quelle matrice magique, c'est ça plus ça. Ça, c'est pas très dur en fait. Hein. Trouver un tiers entre le morphisme U et la somme des endomorphismes P sigma, quand sigma. Et permutation. C'est-à-dire que l'espace vectoriel formé des matrices magiques est exactement l'espace envisagé par les matrices de permutation.
En fait, la matrice KD1 partout, c'est une somme de matrices de permutation. C'est la somme des matrices de permutation circulaire, en fait. L'identité, hop, tout ce qu'il y a au-dessus de la diagonale, clac, 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 clac. Donc, en fait, ça, c'est une combinaison linéaire de permutations, en fait. Donc, il y en a un qui est inclus dans l'autre, et puis comme on a démontré qu'ils sont même dimension, j'imagine. C'est pas clair, en fait. La dimension de ça, je vois pas. La dimension de lui, on l'a dit, n carré moins 1 plus 1. Mais la dimension de l'espace vectoriel engendré par les matrices de permutation, c'est pas clair. Ah mais je suis con, les matrices de permutation sont des matrices magiques. Donc l'espace vectoriel engendré par les matrices de permutation, il est forcément inclus dans l'ensemble des matrices magiques. Ce qui n'était pas évident, c'est que c'était tout. Et qu'il n'y a pas des matrices magiques qui n'étaient pas dans l'espace vectoriel engendré par ça. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'on a vu qu'il y a toutes les matrices magiques sont l'espace vectoriel engendré par les P sigma, donc il y a bien égalité entre les deux. Une question, ce qui était fastoche à faire. Bon, puis la partie 6, on va dire que c'était dur parce qu'il était minuit, il est minuit, et puis j'ai des cours demain. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc on jette un œil demain, la semaine prochaine, à l'examen d'analyse, comme ça, pour essayer de voir les points qu'on pouvait grappiller un petit peu, pour essayer de faire des petites révisions vite fait. Enfin, je veux dire demain, mercredi prochain. Et puis après, on attaque les oraux. Donc mercredi prochain, on discutera aussi des leçons que vous voulez faire. Si vous voulez faire un petit planning à l'avance, ou prévoir quelques-unes, on fera ça. Ok? Donc Arcade, donc tu vas me tenir. Attends, la dernière fois on discute encore minuit 20, là, tu vas encore me parler pendant une demi-heure sur Discord. 5 minutes, après je me casse. Et tout de suite, parce que là, il est tard. Il est minuit 20 déjà, faut que j'aille me coucher. Et allez, les copains, je vous dis au revoir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vois qu'il y a encore 39 personnes à cette heure-là, donc fantastique. On se revoit mercredi prochain pour parler un peu du sujet d'analyse. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis voilà, et puis pour discuter de ce qu'on fait après. Ciao tout le monde, à bientôt.